Chers amis, bonjour. Ici Paul Emmanuel avec mon invité Samy pour La Science te parle. Aujourd'hui, c'est une première parce que je reçois quelqu'un qui est dans les sciences humaines et sociales, un chercheur en histoire, un doctorant en histoire. Et donc, c'est le premier sur cette chaîne puisque jusqu'à présent, je n'avais que ce qu'on appelle des sciences dures. Et d'ailleurs, Samy nous dira ce qu'il pense de ces termes sciences dures et puis est-ce que pour lui, ça a un quelconque sens. Alors, Samy, je l'ai connu sur Twitter. Il fait des threads extrêmement intéressants. Vous aurez le lien de son Twitter en bas. Et donc, vous pouvez vous plonger sur ce qu'il dit. Il commente souvent l'actualité. Il parle beaucoup d'environnement, parce qu'il me semble que c'est son sujet de recherche. Il est assez généraliste, on va dire, dans ce dont il parle, mais c'est toujours très documenté. C'est toujours appuyé sur des textes, sur des faits, sur des articles. Et donc, c'est très intéressant. Alors, bien sûr, lorsque l'on parle d'histoire de la population générale, beaucoup de gens connaissent ce type de livre, par exemple le Métronome de Laurent Deutsch. Samy nous dira d'ailleurs qu'est-ce qu'il pense, c'est une question qui me vient maintenant, mais qu'est-ce qu'il pense de ce genre de livre-là? Moi j'aime bien aussi les livres d'historiens véritables. J'avais parlé un petit peu sur Twitter du livre que j'ai fini, La Ségogé de Pap Ndiaye. Mais par exemple, un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est un livre d'archiviste, c'est pas un livre directement d'historien, c'est celui-là. Raconter la France, alors qui est sorti en 2012 de mémoire. Et c'est en fait l'histoire de l'histoire de France. C'est comment est-ce qu'on a écrit l'histoire de France au fur et à mesure des siècles. Et ça s'arrête à Nicolas Sarkozy. Et il termine sur Nicolas Sarkozy. On est à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Comment Nicolas Sarkozy a lui aussi raconté son histoire de France, écrit son histoire de France. Donc on suit aussi la création d'un certain nombre d'écoles historiques. On suit la création des annales, ensuite. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette histoire, en fait, de l'histoire elle-même, et de comment on l'écrit. Donc, pour moi, alors, ça j'ai dit que j'en ferai une vidéo un jour. Le livre, je l'ai lu il y a 2014-2015, donc il faudra quand même que je relise. Mais j'en ferai une vidéo là-dessus, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant comme type de livre. Donc, Samy va se présenter, puis on va commencer l'interview en discutant aujourd'hui, donc, d'histoire, et je trouve ça très intéressant aussi. Sur la chaîne de parler des sciences humaines et sociales. Samy, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, Samy, je disais, tu es doctorant en histoire et quand on parle de docteur en histoire, on a toujours une question qui nous vient en tête. C'est qu'est-ce qui attire un jeune homme ou une jeune femme dans les études historiques, dans vouloir faire une thèse en histoire, devenir docteur en histoire? Alors, c'est une question intéressante, parce qu'il y a en fait beaucoup de choses à dire. Il y a plein de raisons qui poussent un jeune chercheur, quelqu'un qui n'était pas encore chercheur, à vouloir faire de la recherche. Alors pour ma part, c'était tout simplement le goût de la connaissance, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez commun, je pense, dans toutes les disciplines. On veut apporter sa petite pierre à l'édifice. Dans mon cas, il n'y a pas forcément de plan de carrière bien défini, hein. Je ne vise pas l'université. Alors si j'ai un poste un jour, j'en serais très content, bien sûr, mais en sciences humaines et sociales, la situation des carrière universitaire est très compliqué, hein. Entrer dans le monde de la recherche, c'est compliqué, mais je pense que c'est un peu pareil en sciences dures, entre guillemets. Voilà, tout simplement, j'avais un intérêt pour la connaissance historique, et puis, comme tu l'as précisé, un intérêt pour les questions environnementales. Je lisais beaucoup de ce qu'on appelle l'histoire environnementale, on va revenir sur ce que c'est, hein, et en lisant des livres sur le sujet, je me dis, bon, en fait, c'est ça que je veux faire. Alors qu'à l'origine, j'avais fait mon master en histoire politique, ça n'avait pas grand-chose à voir. Mais du coup, voilà, j'ai bifurqué vers l'histoire environnementale. Mais après avoir passé quelques années à enseigner, j'ai mûri un petit peu ce projet. Les questions environnementales sont très importantes pour moi. Et donc, on peut dire que j'ai un biais idéologique. Mais ce n'est pas forcément un mal, en fait, puisque on peut tout à fait être orienté vers une recherche parce qu'on a un centre d'intérêt. Peut être motivé idéologiquement. Tant que l'idéologie ne biaise pas les résultats, la recherche en elle-même, ce n'est pas un problème. Donc voilà ce qui m'a amené vers la recherche. Je pense que c'est assez commun en fait parmi les chercheurs. Alors par rapport à ce que tu disais, j'ai deux questions. La première, alors au moment où on tourne cette vidéo, il y a 2 jours, on a connu les noms des médaillés Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Il y a parmi ces médaillés Dimitri, je ne me rappelle plus son nom de famille, on va l'appeler Dimitri, qui est un chercheur français, qui travaille, alors qui est enseignant en France, mais qui fait ses recherches essentiellement à Genève.
Et le gouvernement français, par ses ministres et par d'autres députés, se sont félicités et enorgueillis de cette médaille Fields. Or, la personne travaille en Suisse. La question que j'ai, toi qui parlais aussi du financement un peu de recherche, en fait, pour les postes où tu dis que la SHS, c'est un peu difficile, comment tu trouves la situation justement de financement de la recherche en général en France? Et d'après toi, est-ce qu'il y a des pistes à améliorer? Comment tu ferais toi pour améliorer ce financement-là? Alors, c'est une question difficile. Alors, la situation du financement de la recherche, là, c'est facile à répondre, elle est catastrophique. Comme je le disais, c'est très difficile d'entrer dans le monde de la recherche, alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Donc, il y a un sous-encadrement des étudiants et donc une dégradation des conditions d'enseignement qui est effarante. Je pense que c'est encore pire dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences dites dures. Donc, oui, il faudrait plus d'argent sur la table, concrètement. Hein. Ne serait-ce que pour, par exemple, financer la recherche des doctorants, il faut passer un concours pour avoir un contrat doctoral. Donc, déjà, pour postuler à une thèse, il faut être sélectionné. N'importe qui ne peut pas faire une thèse, il faut avoir encore un dossier assez correct pour montrer qu'on peut faire de la recherche, qu'on a éventuellement les épaules. Mais si en plus on veut être financé, là, je peux prendre mon cas personnel. Alors, c'est un cas particulier, peut-être que dans tous les laboratoires, ce n'est pas ainsi. Mais j'ai passé un oral devant le laboratoire qui allait me recruter. Première sélection, puis un second oral devant tous les directeurs de tous les laboratoires de l'école doctorale. Nouvelle sélection, c'est très drastique. On ne connaît d'ailleurs pas très bien les critères de sélection. Enfin, on a une vague idée, mais voilà, quand on est reçu ou pas, parfois on ne sait pas pourquoi. Mais le fait est qu'il faut bien sélectionner des doctorants qui vont être financés, donc prendre ceux qui semblent les plus intéressants, dont le sujet est le plus intéressant. Bon, encore une fois, les critères sont assez flous. Voilà mon sentiment général. Je pense que je n'ai pas des choses très différentes des autres chercheurs, finalement, sur ce point. Il manque énormément d'argent pour la recherche, pour l'enseignement et même pour les jeunes chercheurs. Alors, tu as dit un point là justement, c'est les thèses financières. Alors, il faut savoir que nous, en biologie, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais je pense physique, chimie au moins, on est obligatoirement financé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de poste de doctorat, je veux dire, de place de doctorat, s'il n'y a pas un financement derrière. C'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que dans les sciences humaines et sociales, il se peut que le jeune doctorat ne soit pas financé, c'est-à-dire qu'il travaille sur un sujet thèse sans avoir de salaire. C'est très fréquent même, et il y a beaucoup de doctorants qui sont enseignants, par exemple, dans le secondaire. D'autres font d'autres activités, mais oui, il y a plein de doctorants qui font ça ben, le soir, tard, souvent le week-end, pendant les vacances, ce qui peut avoir de vacances. Donc c'est très compliqué. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a de différent entre les différentes matières. Je trouve ça dommage parce que la thèse prend beaucoup de temps. La thèse demande. Je sais pas si le mot est exact, mais je dirais que c'est un sacerdoce, quand même, la thèse. C'est-à-dire qu'on est vraiment impliqué dans le sujet. Ça prend tout notre temps, toute notre énergie. Ne pas avoir de salaire me paraît compliqué pour être focalisé à fond sur le sujet. Tu as une idée de comment vivent ces doctorants-là, combien d'années ils passent déjà en faisant de la thèse et comment eux psychologiquement vivent cette situation? Ça va être compliqué, non? Alors oui, c'est compliqué. Alors, sont en général des bourreaux de travail. Ceux que je connais sont pour la plupart enseignants dans le secondaire, comme je le disais. La thèse prend plus de temps à faire. Ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Enfin, j'ai une collègue qui a réussi à faire sa thèse en 4 ans en enseignant à temps plein au lycée. Je ne sais pas comment elle a fait. Moi-même, si je n'avais pas eu de financement, bon, je n'aurais pas fait de thèse, hein, parce que je ne me vois pas travailler enfin, faire des journées de 15 heures, etc. Enfin, bon, voilà. Oui, c'est des choses. Et tu disais, on parle d'enseignement, et tu as dit dans ta présentation que tu avais enseigné avant de faire ta thèse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours d'enseignant? Est-ce que c'était à l'université chargé de t'aider, ce genre de choses, ou est-ce que c'était à un collège, lycée? Alors, bah, j'ai la chance d'avoir en 4 ans d'enseignement, donc c'est pas énorme, 4 ans. D'avoir pu enseigner de la sixième jusqu'à la licence. D'accord. Parce que j'ai commencé au collège, j'ai fait mon stage dans un collège, et puis ensuite j'ai eu un poste dans un lycée, et après on m'a donné des cours de culture générale à la fac. J'ai fait ça pendant 2 ans, c'était super.
Et c'est intéressant cette question sur l'enseignement parce que dans les sciences humaines et sociales, très souvent, en tout cas en histoire, c'était pas vrai de toutes les sciences humaines et sociales, mais en histoire, on va demander aux doctorants ou aux futurs doctorants un concours de l'enseignement. Parce qu'il y a tellement peu de postes à l'arrivée que les directeurs de thèse ne veulent pas que leurs doctorants se retrouvent sans rien à la fin alors qu'ils ont énormément travaillé. Donc, au moins avec le concours de l'enseignement, on peut être en poste au collège, au lycée. Mais la situation de l'enseignement secondaire est vraiment affligeante. Donc, autre sujet délicat, Ouais, on ouais. parle de financement. Et puisque tu as enseigné, tu dis du collège à la licence, une question qui me vient maintenant, c'est comment est-ce qu'on intéresse des jeunes gens? Au collège, on commence, on a 10, 11 ans, puis on finit, on a à peu près 15. Comment on intéresse ces jeunes gens à l'histoire? Alors, la question que je me pose moi, quand j'ai des élèves, c'est comment ne pas les dégoûter? C'est déjà ça, voilà. Et on peut quand même essayer de les intéresser au maximum, et pour ça, bon, bah, il faut déjà il faut s'adapter aux classes. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'enseignement, par exemple l'idée selon laquelle le prof arrive dans sa classe, et puis il fait son cours, et puis il repart, et puis tous les ans, il peut faire toujours le même cours, alors que c'est pas vrai du tout, parce que même si le programme ne change pas d'une année sur l'autre, on se retrouve toujours avec des classes différentes. Et un cours qui a marché avec une classe peut ne pas marcher avec une autre classe, donc il faut toujours s'adapter constamment. Voilà, tout simplement. Et bien comprendre, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai mis moi-même un peu de temps à le comprendre, et je ne pense pas l'avoir très bien compris. Bien comprendre comment fonctionne le cerveau d'un adolescent, parce que voilà, l'adolescence, quand on est enseignant, c'est loin. Et souvent, quand on se replonge dans ses souvenirs d'adolescent, ben, on se replonge dans les souvenirs du bon élève. Parce qu'en général, les enseignants, ce sont des anciens bons élèves. Or, la plupart des élèves qu'on a devant soi, bah, ce ne sont pas des premiers de la classe, par définition. Il peut y avoir que quelques premiers de la classe. La plupart sont moyens ou ont des difficultés. Donc, il faut savoir saisir cette hétérogénéité des niveaux. Et pour ça, bon, bah, voilà, il faut passer par des activités. On ne peut pas faire un cours magistral d'une heure, ce n'est pas possible. Hein, ça marche. Ça marche peut-être avec certaines classes d'élèves triés sur le volet, mais il faut savoir les mettre au travail. Et pour ça, il faut. Au maximum, voilà, essayer de choisir un angle qui puisse leur parler. Et donc, c'est très difficile. C'est un métier extrêmement difficile. On sous-estime la difficulté quand on voit, par exemple, les job dating pour être prof. On a vu ça dans l'actualité. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu, mais Non, mais c'est. c'est intéressant de dire qu'il faut s'adapter aux classes parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément toujours. Comme tu dis, on a toujours l'idée que le professeur fait son cours d'une année sur l'autre, il a l'identique puisque les programmes changent pas beaucoup, sauf quand il y a des grosses réformes. Et toi, tu dis qu'il faut s'adapter aux classes, donc c'est pour montrer que le professeur doit aussi comprendre l'élève et c'est pas à l'élève de s'adapter au professeur, mais c'est plutôt l'inverse. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme idée, parce que c'est pas quelque chose dont on a forcément l'habitude, en tout cas dans les discours, à entendre Il et faut à amener saisir. l'élève tout de même à faire un effort. Il ne faut pas tomber non plus dans la démagogie de l'élève qui n'a voilà qui doit venir en classe comme il est, surtout rester comme il est. Non, il doit aussi faire un effort lui-même. Mais c'est un effort partagé en fait entre l'élève et l'enseignant en quelque sorte. Il y a des professeurs de littérature qui ont utilisé par exemple Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones pour attraper les élèves sur des choses qu'ils connaissaient. Est-ce que toi tu as utilisé ce même stratagème par exemple sur des séries ou des films un peu connus pour les raccrocher quelque part à des choses qu'ils connaissent pour ensuite pouvoir développer un cours derrière? Alors, j'avoue que je regarde jamais de séries, j'ai jamais d'idée pour trouver ce genre de choses, mais oui, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. On peut utiliser des extraits de films, enfin, j'ai quand même fait pour illustrer certains points. Typiquement, bon, c'est pas un film que les élèves regardent, mais ça permet de rendre les choses un peu plus vivantes et concrètes. Il y a des films historiques intéressants, bon, je pense au film sur la Révolution française qui a été fait au bicentenaire. Bon, j'ai oublié le réalisateur. Oui, je vois, c'était 4 épisodes, je crois, d'une heure ou quelque chose comme ça, non? Oui, je pense que c'était Je ça. les ai vus, ouais. Et donc, utiliser les médias audiovisuels en général, c'est être utile. On peut aussi essayer de prendre des références des élèves. Mais j'avoue que sur ce point-là, parfois on est meilleur. Parce que voilà, les modes passent vite. C'est vrai, non, c'est vrai, les mots passent vite, oui, c'est vrai.
y a quelques modes qui restent un peu longtemps, mais c'est vrai que en général, les élèves d'une année sur l'autre n'ont pas forcément les mêmes références. Mais j'avais lu ça dans les journaux que certains professeurs de littérature essayaient de se raccrocher à des séries un peu connues comme Game of Thrones à l'époque où c'était le grand buzz pour raccrocher les élèves à ce qu'ils connaissaient et puis leur permettre de donner le goût de la littérature, par exemple. Oui. Un truc qui marche bien, c'est que les élèves, je parle de la Révolution française, j'ai cité un vieux film, parce que, bon, parce qu'il est bien fait aussi, c'est pour ça que je le citais, mais c'est pas quelque chose qui parle aux élèves, donc c'est pas un bon exemple pour répondre à ta question, mais Assassin's Creed, il y a des choses qu'on peut tirer, alors avec des pincettes, Assassin's Creed, il y a plein de choses très critiquables sur le plan historique, mais voilà, mais justement, on peut montrer aux élèves qu'est-ce qui appartient à la réalité, ou ce qu'on croit être la réalité de l'époque, et qu'est-ce qui est plutôt imaginé. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Alors, on va revenir au doctorat. Là, on a parlé d'enseignement, on va revenir au doctorat. Donc, toi, tu es docteur en histoire et tu as parlé du concours et tu as dit que le concours, ça dépendait aussi des sujets. Il y a une question que le public peut se poser, c'est comment est-ce qu'on choisit un sujet en histoire? Par rapport à son intérêt, par rapport à un professeur qu'on connaît de master, par rapport à ce qu'on pense être l'avenir de ce sujet, par exemple, en se disant il y aura forcément des chaires sur tel ou tel type de sujet, comment on choisit un sujet en histoire. Alors, bon, d'abord, il faut définir un champ de recherche. Je prends vraiment le tout début du processus. C'est-à-dire que, bon, voilà, par exemple, si je suis intéressé par la Révolution française ou par la Seconde Guerre mondiale, bon, ben, voilà, ça fait un champ de recherche. C'est nécessaire de partir de ce point de départ. Mais bien sûr, ça ne se dit pas, parce qu'on ne travaille pas sur la Révolution française en général. Hein. Comme en biologie, on ne va pas travailler sur la théorie de l'évolution en général. En histoire, en fait, la recherche, c'est une affaire de spécialisation. Si je reprends l'exemple de la Révolution française, une thèse qui a été soutenue récemment dans mon laboratoire, c'est une thèse sur le comité de législation de la Convention nationale, voilà, 1792-1795. Donc on a un sujet bien précis. Alors comment on trouve un sujet de thèse? Parfois, c'est le directeur qui le propose, mais il ne me semble pas que ce soit très très courant. Je crois qu'en général, il se construit conjointement entre le jeune chercheur et le directeur de thèse. Et parfois, c'est un travail qui commence dès le master, en fait. D'accord. Il y a le master recherche, qui est un peu une propédeutique au doctorat. On trouve un premier sujet qu'on va construire avec son directeur de mémoire, qu'on va approfondir éventuellement en doctorat. Alors, moi, comme je l'ai dit, c'est pas ce que j'ai fait, puisqu'en master, j'ai travaillé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je suis maintenant. Je travaille sur le mouvement royaliste dans les années 30, l'Action française, etc. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec l'histoire environnementale. Mais voilà, mon master, je l'ai passé en 2015, donc ça remonte. Voilà, j'ai eu le temps de passer à autre chose. Pour trouver un sujet, alors, comme tu disais, oui, effectivement, il faut que, si on vise un poste, en tout cas, il faut qu'il soit, entre guillemets, dans l'air du temps. Alors, j'aime pas trop cette expression parce que la recherche, c'est pas vraiment une affaire de mode. S'il y a des modes, En dans biologie, certains on sens. emploie ce terme. En Alors, biologie, on parle de sujets à la mode. oui, on parle aussi de sujets à la mode en histoire, je pense qu'on en parle partout. Mais quand on emploie le mot de mode, on a tendance à déprécier, j'ai l'impression, la recherche, alors que c'est pas forcément un mal, quoi. Simplement parce que la recherche est située. L'histoire est historiquement située, si je puis dire. Donc, bon, typiquement, l'histoire environnementale, il y a aujourd'hui énormément de travaux en histoire environnementale. C'est un mouvement très dynamique parce qu'il y a une conscience environnementale très forte depuis, je ne sais pas combien de temps, mais depuis une vingtaine d'années, en tout cas dans la recherche. Dans la recherche, on se pose cette question en France. Aux États-Unis, l'histoire environnementale, c'est plus ancien, mais on en reparlera peut-être plus tard. Et bah oui, comme je le disais tout à l'heure, moi-même, je suis très intéressé par les questions environnementales, par les questions idéologiques, et on peut dire effectivement que je suis idéologiquement motivé. Il faut être motivé de toute façon pour faire une thèse, et l'idéologie, ça peut être un bon point. Alors j'insiste sur cet aspect-là des choses, hein, sur le facteur idéologique, on peut mettre des guillemets si on veut, dans le choix du sujet. Parce qu'en fait, il y a tout un blabla qui m'énerve un peu sur les sciences humaines et sociales, hein, qui serait bah, gangréné par l'idéologie, par le militantisme. Alors, bien sûr, de gauche, hein, jamais de droite. À droite, on n'est jamais militant, apparemment. Mais en fait, dans de nombreux sujets, et surtout en histoire, hein, il n'y a pas vraiment de frontière absolument nette, impénétrable entre d'un côté les valeurs, les convictions, et de l'autre le travail de recherche. Et même Max Weber, qu'on convoque souvent hein, pour militant. Recherche. En fait, Max Weber, tu es tout à fait conscient, hein,
Max Weber, lui, disait que le chercheur et l'enseignant, le professeur à l'université, devaient respecter la neutralité axiologique. Qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité axiologique? Ça veut dire, en fait, absence de jugement de valeur. Mm-hmm. Ou, alors, il y a une commentatrice de Max Weber, c'est Isabelle Kalinowski, qui parle d'impératif de non-imposition des valeurs. Bon, on appelle ça comme on veut, on peut garder neutralité axiologique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas passer ses opinions pour des faits. Voilà. Mm-hmm. Mais Max Weber dit aussi qu'on a tous un rapport aux valeurs qui peut nous motiver. Et voilà, comme je disais, c'est très important pour mener une thèse. Et la motivation, d'ailleurs, c'est pas forcément une affaire d'idéologie, ça peut être tout simplement un intérêt intellectuel. Là, l'essentiel, et je pense aussi qu'on en reparlera peut-être, c'est de ne pas se croire objectif quand on est historien. L'historien, en fait, ne peut pas être objectif, c'est pas possible. Mais il peut se rendre compte de sa subjectivité, mmh. et dès lors qu'il sait qu'il est subjectif, il peut être impartial. Ça, c'est très important. Voilà. Prendre un exemple tout bête de ma recherche, hein, je veux dire, quand je travaille sur des plaintes contre les usines polluantes au 19e siècle, parfois j'ai envie de me mettre du côté des habitants qui se plaignent. Mais quand, dans certains cas, bah, ils exagèrent et ils racontent n'importe quoi, bah, oui, ce sont les industriels qui ont raison. Donc, impartialité. Mais ça ne veut pas dire que j'étais subjectif. J'ai rien à la base. Alors, pour en revenir encore à ta question, il y a deux points aussi essentiels. Il faut que le sujet soit novateur. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mais en même temps, il faut qu'il s'inscrit dans un champ de recherche. Il faut déjà qu'il y ait de la bibliographie, des sources. Et donc, en fait, ça prend du temps de construire un sujet parce qu'il faut emmagasiner toute cette bibliographie, toutes ces sources. Il faut avoir une idée des sources qu'on va consulter, des archives qu'on va consulter. Il n'y a pas d'histoire sans sources. Et le risque, c'est d'avoir un sujet qui mène à rien, à aucune source. Donc, c'est un travail qui se fait en amont, le travail sur les sources, sur la bibliographie qui permettra de mener la recherche à bien. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce point. Enfin, je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que je veux dire. Oui, je vais rebondir exactement. Et en fait, je vais rebondir avec ce livre parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu disais. Alors, je montre le métronome et je pourrais aussi montrer les livres d'Éric Zemmour parce que et on va revenir peut-être un peu à ton sujet de master. Tu as parlé de l'Action française et Éric Zemmour. N'est pas impartial lorsqu'il parle de l'histoire. Il écrit des livres d'opinion qui se veulent des livres d'historien. On peut penser à Mélancolie française, on peut penser à quelque part le suicide français, mais je pensais au suivant dont j'ai oublié le titre. Destin français, peut-être. Destin français, voilà, exactement. Donc lui se prétend pas objectif, mais n'est pas impartial du tout, et il utilise l'histoire comme source d'idéologie en faisant une sorte de cherry-picking sur ses sources, etc. Bien sûr, lui ne va pas consulter les archives, il va lire certains historiens puis essayer de faire un amalgame un peu là-dessus. Et pourtant, ce sont des livres qui se vendent énormément. Oui. C'est des best-sellers en librairie, alors que un bouquin comme ça, que si tu regardes sur Amazon, tu n'as aucun commentaire. Enfin, je veux dire, ce livre est probablement passé inaperçu dans l'édition. Alors ma question c'est ça, est-ce que ces gens qui disent que l'université et les sciences humaines et sociales sont gangrénées par la gauche, est-ce qu'ils comprennent ce qu'est l'histoire réellement lorsqu'ils écrivent des livres? Et comment tu comprends le phénomène de vente énorme de ces bouquins-là, qui en fait vont montrer aux gens qui les lisent, aux lecteurs et surtout les lecteurs les moins critiques, une facette du travail historique qui est totalement erronée, une facette de l'histoire qui est totalement erronée. Mais au-delà même de l'histoire qui est racontée, c'est la façon dont on travaille une histoire qui est erronée et qui va donner une image complètement fausse du travail du chercheur. Alors pour la première question, ceux qui disent que l'université est gangrénée par l'idéologie de gauche, ils font un homme de paille parce que on va toujours trouver des mauvaises études avec des conclusions complètement idéologiques dans tous les champs de recherche. Et en histoire, on va trouver plein de très mauvaises études en sociologie, etc., dont les conclusions sont idéologiquement biaisées. Voilà. C'est vrai que je faisais la distinction, on peut être idéologiquement motivé, mais après, non-imposition des valeurs. Et à la fin, on conclut, si dans mes cartons d'archives, ce que j'ai vu ne correspond pas à ce que je pensais trouver en fonction de mes valeurs, de mes convictions, il faut que je lise. Donc on va trouver des très mauvaises études partout, mais on en trouve aussi dans ce qui est censé être, par exemple, le phare de l'infectiologie... quelque part à Marseille, voilà. C'est la science très dure apparemment, mais ce sont des études
complètement biaisé. biaisé par l'idéologie. Donc il y a ça. Mais ceux qui disent que, à cause de ces études, les sciences humaines et sociales, c'est à jeter, voilà, ils jettent le bébé hein, quelque part, parce que il y a quand même des procédures par les pairs, etc. Et l'essentiel des études qui sont menées sont de bonne facture, de très bonne facture. Quant à la seconde question, donc sur pourquoi les Zemmour, en Deutsch, etc., vendent beaucoup, eh bien, parce qu'il y a une demande, d'histoire, et le public n'est pas forcément au fait de ce qu'est l'histoire. Parce que, voilà, c'est le problème de l'histoire médiatique, c'est que très souvent, si on demande à l'homme de la rue qu'est-ce que c'est que l'histoire, il répondra soit ce sont les grands événements, c'est je sais pas, la conquête de la Gaule par Jules César, alors que c'est pas ça, hein, bien sûr, les grands événements, ça compte. Soit c'est la réduction de l'histoire à l'anecdote. Donc, c'est soit les grands événements immenses qui ruissellent de sang, soit ce sont les petites anecdotes. Je sais pas, est-ce que Fersen, il a réussi à se faire Marie-Antoinette? C'est l'histoire Stéphane Bern, quoi. Mais l'histoire, c'est pas ça non plus. Bon. Alors, donc, mais comme il y a des historiens, entre guillemets, médiatiques, c'était Bern, Zemmour, bon, ils sont très différents, mais ils font l'histoire médiatique, on peut dire ça, l'histoire avec les guillemets, ils produisent des livres d'histoire, donc le public voit ça, et donc ça se vend très bien. Alors, en ce qui concerne Zemmour, il y a aussi un point important, c'est la droitisation, à mon avis, de la société française. Il y a une crise de l'identité française, et Zemmour apparaît comme étant celui qui va un petit peu, je ne sais pas s'il est vraiment perçu comme celui qui va résoudre cette crise-là par ses lecteurs, mais certains adultes Zemmour, bon, ils voient le grand homme providentiel. Mais en tout cas, Zemmour apporte des réponses, entre guillemets, historiennes, mais en fait complètement idéologiques et souvent fausses, hein, à cette crise d'identité, je crois. C'est ce qui explique son succès. Après, je voulais quand même relativiser un peu, parce que tu disais que le livre que tu mentionnais, alors que je ne connais pas, Raconter la France. Raconter la France, c'est pas un grand succès, mais il y a quand même encore des grands succès de librairie qui sont des livres d'historiens confirmés. Alors, il n'y en a pas énormément. L'exemple que j'ai en tête, c'est Patrick Boucheron, sa fameuse histoire mondiale de la France, qui est très critiquée, mais bon, ça vaudra quand même infiniment mieux que du Zemmour. Ça s'est très bien vendu. Mais effectivement, c'est un exemple, c'est peut-être pas représentatif de la situation éditoriale de l'histoire, qui a eu des heures fastes dans les années 70. Dans les années 70, l'histoire universitaire se vendait énormément. Je crois que le plus grand best-seller en histoire, c'est Montaillou, village occitan. C'est une monographie sur un village occident, village du sud, donc au Moyen-Âge, par Emmanuel Leroy-Ladurie. Énorme succès de librairie. Aujourd'hui, je pense que si Emmanuel Leroy-Ladurie l'avait publié, c'est quand même un bouquin universitaire très, très costaud. Ça n'aurait pas été un énorme succès, à mon avis. Voilà ce que je répondrai à ces deux questions. Et une question, puisque tu as étudié l'Action française, j'ai envie de penser au livre de Jacques Bainville, l'histoire de France de Jacques Bainville, qui était un succès dans les années 20, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'a pas connu. Est-ce que pour toi, Zemmour est l'équivalent d'un Bainville, ou est-ce que les deux sont quand même opposés dans le sens où un Bainville, c'était idéologique, mais c'était quand même beaucoup plus recherché ou travaillé, ou pour toi, c'est vraiment les deux mêmes personnages? Un siècle d'écart. Alors, il y en a beaucoup qui mettent effectivement Zemmour et Bainville en disant que c'est l'histoire de idéologique de droite et tout est à jeter. Alors, je serais pas ça. Je trouve que j'ai énormément lu Bainville. Mais alors, son histoire de France ou ses livres d'histoire en général, c'est pas la partie de l'œuvre de Bainville que je retiendrai. Parce que c'est effectivement de l'histoire biaisée, idéologique. Ça, c'est une critique qu'on peut lui faire. Elle est quand même de meilleure facture que l'histoire de Zemmour. On peut quand même reconnaître ça à Bainville. Il écrit déjà beaucoup mieux parce que Zemmour écrit les leçons de littérature à tout le monde. J'ai failli le dire un jour sur Twitter, monsieur, je vais me faire allumer, mais Zemmour écrit comme un pied. Des fois, j'ai juste envie de copier la première page de Mélancolie française et la première page de Jacques Bainville, juste de montrer la différence de type d'écriture. C'est complètement fou. Je veux dire, on a sans aucune mesure, Donc, l'œuvre historique de Bainville vaut mieux que celle de Zemmour, mais je n'ai pas non plus la défendre parce que, quand je répète, hein, mais il y a plein de biais dans les conclusions mêmes.
Par exemple, l'idée que, je sais pas, c'est une phrase qui dit, c'est un peu de mémoire, la monarchie a tellement réussi que le résultat final s'appelle la France. Donc, il a besoin de le penser, il peut le penser, mais c'est une vision complètement téléologique des choses qui ne tient pas sur le plan scientifique. On peut tenter d'en reparler. Parce que Zemmour, Dainville, il a une vision d'histoire assez simpliste, fondée sur une vision, j'allais dire, naïve de la causalité, c'est-à-dire telle cause entraîne telle conséquence. Alors qu'en histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais est-ce que les deux n'ont pas la même idée, c'est-à-dire dans Mélancolie française ou Histoire de France de Jacques Bainville, de dire que la France est l'héritière de Rome et qu'on a toujours recherché à essayer de refaire cet empire-là? J'ai l'impression, en lisant les deux livres, qu'il y a quand même la même idée centrale qui est celle-ci. Alors, chez Bainville, oui, il y a l'idée de l'héritage romain, mais Bainville ne fantasme pas sur l'Empire parce que il a une opinion très très mauvaise de Napoléon. Son Napoléon se termine par cette phrase, enfin c'est pas la dernière phrase, mais c'est dans la conclusion, sauf pour l'art, sauf pour la gloire, il est mieux valu qu'il n'ait point existé. Voilà. Grâce à Napoléon, on a des beaux romans, des beaux livres d'histoire, mais quelle catastrophe pour la France, alors que Zemmour fantasme complètement sur Napoléon. Et Mais en fait, effectivement. il a écrit quand même un gros pavé sur Napoléon, mais il défend aussi dans pas mal de passages aussi, Bainville. Mais son Napoléon, ce n'est pas son plus mauvais texte. Et il est très bien écrit. Alors, c'est vieux, ça a des années 30, c'est complètement dépassé. Mais voilà, il a un regard nuancé, beaucoup plus nuancé que Zemmour sur Ou que Napoléon. Donc, pas du Stendhal tout. pour une époque assez proche, parce que Stendhal il descend quand même bien comme il faut Napoléon aussi. Bien sûr. Et il n'est pas le seul. C'était même devenu un sport national de critiquer Napoléon. Alors, je ne suis pas spécialiste de Napoléon. Tout ce que je dis, c'est que Bainville a une vision un peu plus fine que celle de Zemmour sur Napoléon. Et donc, effectivement, il dit que la France a un héritage romain, mais ça c'est effectivement, ça fait partie des héritages de la France. Je ne pense pas qu'on puisse le nier. Mais il est quand même attaché au modèle de la nation. Et alors que Zemmour, lui, préfère l'Empire. Donc sur ce point-là, il y a quand même une divergence entre les deux. Alors, je voulais rajouter peut-être un mot sur Bainville. Il disait que son œuvre historique, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Alors, c'est assez triste parce que c'est ce qui se vend mieux. Voilà. Quand il y a des rééditions d'Histoire de France de Bainville, ça se vend super bien. Mais bon. Mais Bainville a écrit d'autres choses beaucoup plus intéressantes, par exemple des analyses de relations internationales. Fascinante, hein. Je pense à un livre très connu aussi, hein, Les conséquences politiques de la paix, qui est paru en 1919, si je ne dis pas de bêtises, 1920, par Oui, là, juste après la Première 1919, Guerre mondiale. même. Et dans ce livre, eh ben, il analyse très très froidement les conséquences du Versailles, effectivement, les changements de frontières ont complètement déséquilibré cette Europe qui était déjà bien fragile avant-guerre, et il risquerait bien d'y avoir une alliance entre l'Allemagne et la Russie pour se faire la Pologne qui vient de réapparaître sur le continent. Donc il y a des choses très intéressantes chez Bainville. Il y a aussi un autre point que j'effondrerai chez lui, c'est que bon, c'est un écrivain, c'est un bon écrivain qui a aussi écrit des contes qui sont plaisants à lire, très voltairiens. Sur Bainville, je recommande les travaux de Christophe Dickès, qui est Ok. spécialiste de Bainville aujourd'hui en France, qui est pour un coup un historien qui a fait une thèse sur Bainville. Voilà, donc je mets quand même Bainville au-dessus de Zemmour, si pour être très très. De manière très ramassée à ta question de départ. Mais non, comme tu as dit que tu avais fait ton mémoire sur l'action française, je comparais un peu les deux parce qu'on a l'impression que c'est un peu un même mouvement qui revient, quelque part avec la religiosité aussi. Et bon, même si j'ai envie de dire, le lefébriste sont rentrés un peu dans le rang, mais. Il y a un peu cette idée-là aussi de royalisme qui revient qui est des idées qui attirent la droite. Enfin, je veux dire, moi qui étais à l'Uni, on a tous été attirés par le royalisme à un moment donné, et puis on a tous regardé du côté de l'Action française voir ce qui se faisait. Bon, moi j'ai trouvé que c'était les antisémites et qu'il n'y avait pas grand-chose à en tirer, mais je trouve qu'il y a un retour aussi, même chez les jeunes militants de droite, et on ne se cache pas aussi de regarder de temps en temps sur notre droite, en disant qu'est-ce qui se passe là, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et j'ai trouvé que, enfin moi, quand j'ai vu le parcours de Zemmour, il y avait un peu quelque chose, je trouvais, de bainvillien là-dedans, mais lui, il le dit aussi, d'ailleurs, dans un texte du Figaro, juste avant de se présenter, où il dit que Bainville a échoué parce qu'il ne s'est jamais présenté et qu'il n'a jamais été élu, alors que Zemmour va aller plus loin. Il dit qu'il est un peu le Bainville du XXIe siècle et qu'il va aller plus loin en se présentant, lui, aux élections. C'est sa dernière tribune ou son avant-dernière tribune au Figaro avant de partir, parce que
parce qu'il était candidat. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce tribunal, il faut que je le retrouve, mais Alors, il y a quelque chose comme ça. J'évite de lire des fous. Enfin, il faut bien lire, effectivement, pour critiquer, mais bon, je n'ai pas lu cette tribune. Et juste un point, Bainville ne s'est pas présenté, mais il n'avait pas du tout le tempérament d'un homme politique. Donc, bon, on voit ce que ça donne avec Zemmour, d'ailleurs. Il y a un effondrement de Reconquête. Bon. Ça, oui, c'est encore exact. Une autre histoire. Alors, voilà, je voulais qu'on parle un peu de ce type d'histoire qui est vendu médiatiquement et qui nous éloigne un peu de l'histoire réelle. Donc, tu nous as expliqué comment on choisissait un sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases, parce que la méthode scientifique, en général, on l'explique en long, en large, en travers sur nos chaînes, mais lorsqu'on explique la méthode scientifique, on va expliquer la méthode, par exemple, de la biologie, de la chimie, de la physique, mais la méthode des sciences humaines et sociales, on les connaît finalement assez peu. Est-ce que tu peux nous décrire comment vous travaillez en fait en sciences humaines et sociales, notamment en histoire, puisque c'est ton boulot, quelles sont les méthodes utilisées? Alors, tu as parlé des sources tout à l'heure, de bien connaître les sources, de bien savoir où on va chercher pour tel ou tel sujet. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthode utilisée pour les sciences humaines et sociales, et puis surtout en histoire? Alors, j'ai pas de l'histoire parce que voilà, je me garderai bien de parler de sociologie ou d'anthropologie, ce ne sont vraiment pas mes champs de spécialité. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche en histoire, finalement? C'est bien ça la question. Tout d'abord, c'est une recherche des faits. Là, c'est quelque chose de trivial, hein, parce que même le grand public voit bien que l'histoire est constituée de faits. J'ai relu un très bon livre d'ailleurs que j'ai ici, hein, je peux le montrer pour promouvoir. On ne le voit pas très bien parce que ça c'est un peu coupé. Et de temps en temps, en fait, on a toujours le son, mais l'image, elle saute un peu. Donc. Ah, pardon. Ça va comme ça? Ouais, ah voilà, 12 leçons sur l'histoire, Antoine Prost. Oh, ok. On l'a vu. Les 12 leçons sur l'histoire d'Antoine Prost. Et il dit bien dans ce livre, alors j'ai même relevé quelques citations, il dit par exemple, pour le grand public, l'histoire serait du souvent un squelette constitué de faits datés. Révocation de l'édit de Nantes 1685, Commune de Paris 1871, découvert de l'Amérique 1492, bon. Alors voilà, donc l'histoire est faite de faits. Et donc j'ai quelque chose de complètement trivial. Ce qui est moins trivial pour le grand public, c'est que les faits, l'historien en fait doit les construire. Comme le dit Antoine Pro, les faits, il faut les faire. Ce ne sont pas des données brutes, en fait. Et en fait, ça, c'est une idée qui est constitutive de l'histoire scientifique, de la science historique, depuis le 19e siècle. C'est au 19e siècle, en fait, que l'histoire se constitue comme science. Notamment depuis la fin du 19e siècle, c'est assez tardif en France. Et les historiens de l'époque disent bien que un fait ne se présente jamais naturellement à un historien. D'ailleurs, je disais à mes élèves ce que c'était qu'un fait historique. Ou alors, quand ils me disaient « oui, telle chose est vraie, c'est un fait. » Bon, oui. Un fait ne se présente pas comme ça, comme une épiphanie sous les yeux de l'historien. Alors, qu'est-ce que c'est un fait? C'est une tranche de réalité qu'on a découpée pour servir un pot. Je prends un exemple que j'invente. Si, par exemple, l'histoire politique, on retiendra comme fait la signature d'un traité, quelque chose de très classique. Mais si dans la salle où le traité a été signé, il y avait plein de mouches qui volaient, ce ne sera pas un fait pour l'historien politique qui s'intéresse au traité. Mais celui qui fait de l'histoire des animaux, un champ de recherche passionnant, il peut trouver intéressant le fait qu'il y ait plein de mouches dans le coin. Enfin, bon, ça, encore une fois, c'est un exemple que j'invente, mais très bien. Donc, comme je disais, un fait historique, c'est toujours quelque chose de construit. Et sur le point, je recommande la vidéo d'Istonie hein, sur les faits. Il cite un exemple intéressant. Il prend l'exemple de sa date de naissance, que je ne connais pas, donc je vais prendre la mienne pour refaire l'exemple. Moi, je suis né en 1990, ce qui n'est pas du tout un fait historique. Mais si un jour, un historien décidait d'étudier, disons dans un siècle, les jeunes chercheurs des années 2020 en France, bien peut-être qu'il aura mon nom dans une série statistique avec ma date de naissance, 1990, et donc pour lui, ce sera un fait. Donc un fait est toujours construit, mais ça ne veut pas dire que le fait est subjectif. Et ici, il y a une référence que j'aimerais faire qui est importante hein, pour l'histoire, même si c'est un sociologue, c'est François Simian,
Il a fait un article classique en 1903, Méthode historique et sciences sociales, dans lequel il fait une distinction que je trouve utile entre subjectif et psychologique. Ce que dit François Simian, c'est que les faits sont forcément psychologiques, ils ont forcément une dimension psychologique, ils sont toujours reconstruits par l'historien, par son imagination, par son intellect, etc. Mais ça ne veut pas dire que le fait lui-même n'est que imagination, perception, intellection, etc. Les faits, en fait, ils ont bien une existence indépendante de la psychologie humaine. Alors, on peut très bien dire que rien n'existe en dehors de mon soi, mon fort intérieur, ou que, bon, c'est une position métaphysique assez difficile à défendre, je pense, ce qu'on appelle le solipsisme, rien n'existe en dehors de ma conscience. Donc, en fait, les faits sont bien objectifs. Enfin, ils ont une dimension d'objectivité dans la mesure où, en fait, c'est une portion du réel sur lequel l'historien essaye de dire quelque chose de vrai. Et Antoine Pro, lui, va jusqu'à dire que les faits, là je le cite à nouveau, les faits sont dans le discours des historiens l'élément dur, ceux qui résistent à la contestation. Et pour ça, d'accord, il faut apporter des preuves solides, et on arrive justement aux questions de méthode, de pratique. Mm-hmm. Je pense que c'est là-dessus que tu voulais que j'intervienne. J'ai une question à te poser là par rapport au fait. Donc, j'ai bien compris ce que vous appelez faire une histoire. Est-ce que l'historien n'est pas tenté, puisque bien sûr il va regarder l'histoire plusieurs années après ou plusieurs siècles après, comme il sait ce qui s'est passé par la suite, de raccrocher certains faits qui peuvent paraître insignifiants, mais qui peut-être ont apporté une cause à tel ou tel événement. Et lui, du fait qu'il le regarde de plus loin, de plusieurs années plus tard, est-ce qu'il ne va pas se dire, ah, mais en fait, ce fait-là, qui paraissait insignifiant à l'époque, a sans doute mené à telle guerre ou telle bataille, etc. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que ce n'est pas un biais un peu de ça et un risque pour l'historien? Oui, alors c'est peut-être lié au fait que l'histoire, c'est une discipline qui part du présent pour essayer de remonter à l'origine. Mmh. C'est un risque dans lequel que l'historien peut rencontrer, hein. Ou alors, c'est peut-être même une chance, justement, comme la connaissance du passé, il peut voir que tel fait qui paraissait insignifiant pour les acteurs de l'époque, mais en fait très important. Mais ça pose une autre question très délicate, qui est celle de la causalité en histoire. Je ne sais pas si on va rentrer là-dedans. On peut. Alors, en fait, juste avant, je vais peut-être faire un point sur comment on met au jour des faits, peut-être. Plus simple pour ensuite comprendre les débats épistémologiques sur que l'histoire est une science qui fonctionne sur le modèle de la causalité scientifique. Avant ça, je pense que c'est nécessaire de savoir comment on construit des faits. On construit des faits à fonction d'une méthode qui s'appelle méthode critique, hein, depuis la fin du 19e siècle, depuis en fait un livre qui a fait date, 1898, donc c'est vieux, l'introduction aux études historiques de deux historiens de la Sorbonne à l'époque, Charles Seignobos et Charles-Victor Langlois. Mm-hmm. Et en fait, dans ce livre, c'est une sorte de manuel, on a une systématisation de ce qu'on appelle la méthode critique, qui est en fait très ancienne, hein, qui peut remonter jusqu'à, je sais pas, la critique textuelle sous la Renaissance, la philologie, etc. Donc c'est une sédimentation, en fait, de pratiques déjà bien éprouvées. Et que disent Seignobos et Langlois? Ils disent, premièrement, il faut valoriser au maximum les sources primaires. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une source? Une source, c'est un document qui peut prendre des formes extrêmement variées. Ça peut être un texte, une source, c'est l'image classique du vieux papier qui se trouve dans les archives, dans les centres d'archives. Mais ça peut être, pour le préhistorien qui travaille sur le paléolithique, un silex. Mm-hmm. Ça peut être un document, entre guillemets, pour étudier le travail des hommes du paléolithique. Bon. Ça peut être plein de choses, une source, donc. Et il vaut mieux valoriser au maximum les sources primaires plutôt que les témoignages secondaires. Mais ça, c'est comme l'enquête policière ou judiciaire, hein. C'est pas très différent. Deuxièmement, il vaut mieux distinguer aussi les différents types de témoignages. Il y a des témoignages volontaires qui sont produits pour informer, typiquement la presse, les chroniques, les rapports officiels. Des témoignages involontaires, comme les journaux intimes, la correspondance privée. Donc, deux types de sources différentes qui forcément disent. C'est pas la même chose, ça reste pas au même public. Et donc, quand l'historien utilise des sources, des témoignages involontaires, bien, il peut reconstruire des faits qui, en fait, ne sont pas dans les témoignages volontaires. On trouve énormément de choses dans les journaux intimes qui étaient censés rester intimes, qu'on ne trouvera jamais dans la presse, par exemple.
Et est-ce que dans Pourquoi? ces sources, une question, parce qu'il y a une chose qui me vient, c'est ils ont retrouvé des tags, par exemple, au Pompéi, ou des gravures sur des colonnes pour insulter un peu certaines personnes, ou que ce soit directement l'empereur, ou alors, on va dire, le maire de la ville, etc. Est-ce que ça, c'est une source aussi non volontaire? Est-ce que c'est utilisé beaucoup en histoire, ça? Alors, bah oui, ce sont des sources importantes. Alors, c'est plutôt une source volontaire. Je pense qu'on peut le classer parmi les sources volontaires, puisque Ok. effectivement, taguées dans les villes de Rome. Alors, l'exemple de Pompéi est classique, mais en fait, dans plein de villes de Rome, on trouve ce genre de tag. Ce sont des gens qui voulaient bien montrer leur opinion politique, donc c'est volontairement qu'ils ont laissé ces traces. Après, effectivement, ils ne savaient pas que 1000 ans, 2000 ans plus tard, il y allait avoir des historiens pour travailler là-dessus. Mais oui, ce sont des sources. De toute façon, l'historien fait flèche de tout bois. Hein. Tout peut être source potentiellement. Mais ces sources, il faut en faire la critique. Bon. Et Seignobos et Langlois, bon, ils parlent surtout des textes, ils parlent de critique externe, c'est-à-dire bah, le document, est-ce qu'il est authentique, est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est une copie, c'est quoi comme source, et quelle en est la date, etc. Donc, quelle est la nature du document, comme on peut dire. Et ensuite, la critique interne, c'est-à-dire bah, quel est le sens du contenu, quel est le sens du document, quel est son contenu. Quelles sont les intentions de l'auteur, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il ne dit pas, et quel est le point du contexte, etc. Et bien sûr, il faut citer systématiquement ses sources, c'est la raison pour laquelle dans les livres d'histoire sérieux, il y a plein de notes de bas de page. Alors, il y a quand même des livres d'histoire qui n'ont pas de notes de bas de page, ça ne veut pas dire que les livres sont mauvais, mais parfois les éditeurs disent les notes de bas de page, ça ralentit la lecture. Bon, je Oui, comprends pas si ça ça. alourdit des fois. Oui, bon. Mais en général, le livre vraiment solide, universitaire, il a plein de notes de bas de page. Et du coup, cette méthode critique, elle est renforcée par ce qu'on appelle les sciences auxiliaires de l'histoire. Bah, par exemple, l'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions anciennes, peut-être des tags dans des villes antiques. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle la paléographie, c'est-à-dire l'étude de la graphie des vieux documents du Moyen Âge. Ça, c'est très important pour faire de la critique externe. Par exemple, si on a un document du XIIe siècle, qui est écrit avec la graphie du Xe siècle, on peut avoir de bonnes raisons de douter de la date et dire peut-être que ce document, c'est pas un document authentique. Donc voilà, c'est une méthode qui date de la fin du 19e siècle et qui est encore une méthode de base pour les historiens. Mais il y avait quand même un point aveugle chez Langlois et Seignobos qui écrivent en 1898, donc on peut les pardonner. C'est que, déjà d'une part, ils se focalisent trop sur les sources écrites, alors que l'histoire est sur toutes les sources possibles et imaginables. Et puis surtout, les sources, elles ne s'imposent pas à l'historien. L'historien, quand il voit un document, quand il voit une archive dans un centre d'archives, quand il voit, comme je disais tout à l'heure, un silex, il doit poser une question à son document, en fait. Il faut construire un questionnement préalable. Et il ne doit pas partir, voilà, partir à la pêche aux sources, comme on part à la pêche au filet. Là, c'est une métaphore que j'emprunte encore à Antoine Pro. Donc, il doit formuler une question. Un problème, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux chercher, et ensuite émettre des hypothèses. Peut-être que dans tel centre d'archives, je vais trouver telles informations, peut-être pas. Donc il n'y a pas de questions nues, encore une fois, c'est une question de Antoine Pro, il n'y a que des questions armées, voilà, pour avoir une bonne idée de ce qu'on va chercher. Et bien sûr, bah, il y a plein de questions qui sont complètement inutiles, soit parce qu'il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de sources, soit parce qu'elles ne sont pas très intéressantes. L'exemple de tout à l'heure, est-ce que Marie-Antoinette elle a eu une aventure avec Hersen? Bon, bah, ça peut intéresser, mais c'est comme s'intéresser au gossip de la télé-réalité. C'est pas de l'histoire, vraiment. Et du coup, voilà, on travaille sur des sources qu'on critique selon une méthode précise. Et après, la question que tu posais, c'était est-ce que c'est une recherche scientifique? Oui, Quelle est la part scientifique? c'était pour comparer par rapport à ce qu'on appelle les sciences dures, justement, puisque. Mais j'ai trouvé par rapport à ce que tu disais, la question en fait qu'on pose aux sources et les hypothèses que l'on émet avant d'interroger la source et avant d'aller voir la source et de savoir où elle est, en fait, ça ressemble drôlement à ce que nous on fait en laboratoire tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une expérience pour faire une expérience, on fait une expérience parce qu'on se pose une question et qu'on fait une hypothèse avant de faire l'expérience. Sinon, le résultat, on ne peut pas l'interpréter. Quelque part, c'est ce que tu dis aussi sur les sources. Pour l'interprétation de la source, il faut d'abord lui poser une question, puis après, on Oui. interprète ce.
Bien sûr, c'est un petit peu la méthode test-hypothèse. Enfin, une fois qu'on ne teste pas l'hypothèse en laboratoire, on la teste en essayant de retrouver des traces. Donc, je pense que c'est une formule d'un historien qui s'appelle Carlo Ginzburg qui dit que l'histoire, c'est une discipline indiciaire, puisqu'elle fonctionne par traces, indirecte, parce que bon, on n'a pas accès directement au passé, et conjoncturale, parce que ben, on émet des hypothèses qu'on essaie de valider enfin, de manière très robuste, très forte. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas douter. Hein, effectivement, ben, la prise de la Bastille a eu lieu le 14 juillet. Pas vraiment douter de ça. Mais souvent, on a qu'un degré d'incertitude sur certains faits. Mais oui, bon, c'est quelque chose qui rapproche l'histoire des sciences entre guillemets dures. Alors moi, j'aime pas trop l'expression science dure, parce que je sais pas trop ce que ça veut dire dur en fait. C'était une des premières questions que j'avais, en tout cas d'introduction que je voulais qu'on pose, d'ailleurs qu'on a oublié. Parce que dur, si ça veut dire la solidité des résultats, ben, l'histoire peut être une science très dure, parce que l'histoire peut fournir des résultats très solides, donc on peut être certain de la validité, même de la vérité, osons-nous vérité. Alors que, je sais pas, moi, la théorie des cordes, est-ce qu'on peut la tester? Ben, pour l'instant, non, il ne me semble pas. Certain. Quand je regarde un peu ce que disent les physiciens, ils disent peut-être que jamais ce sera testable. Et donc, oui, c'est de la science dure, mais dont les résultats, finalement, sont moins solides que les résultats d'une bonne thèse d'histoire, quoi. Donc, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je me pose. C'est peut-être une distinction commode entre science de la nature et science humaine. Alors, il y a un vieux débat justement qui a beaucoup occupé les historiens, c'est cette distinction-là entre les sciences de la nature d'une part et ce qu'on appelait les sciences de l'esprit. Et c'est un débat qu'on voit à des philosophes allemands de la fin du 19e siècle. Je ne sais pas si je peux citer beaucoup de noms de philosophes allemands, mais je pense à Windelband, par exemple, ou à Diltai, qui a écrit énormément de livres sur la question. En France, c'est Raymond Aron qui a introduit la philosophie de l'histoire de Diltai. Et en quoi consiste cette philosophie de l'histoire? Bah, c'est de dire que d'une part, il y a les sciences de la nature, dont les objets sont bah, les objets physiques, la pomme qui tombe sur la tête de Newton, ce qui s'est jamais produit d'ailleurs. Ça, c'est l'historien qui le dit, Voilà, donc. du coup. C'est une anecdote. Bon, c'est pas, de toute façon, c'est pas très intéressant pour comprendre Newton. Non, c'est sûr. Mais il se trouve que. Newton a travaillé sur des objets physiques, des objets de la nature, et à partir de son travail sur ces objets physiques, il a pu tirer des lois générales. Et c'est ce que Diltai appelle les sciences nomologiques, nomothétiques, donc qui fonctionnent sur un modèle fondé sur des lois générales. Et à côté de ces sciences de la nature, il y aurait donc les sciences de l'esprit, dont l'histoire fait partie, qui, elles, cherchent plutôt le particulier. Il n'y a pas un événement qui ressemble à un autre. C'est vrai, tout événement est particulier, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On peut toujours faire des comparaisons en histoire, c'est très intéressant la comparaison en histoire, hein. C'est quelque chose d'essentiel même. Mais on ne peut pas dire que, parce que deux phénomènes sont comparables, que un phénomène répète l'autre, au sens fort de répéter. Donc il n'y a pas de loi de l'histoire. Tout est individuel, et tout est particulier, tout est singulier. Donc ça peut être une manière de distinguer les deux formes de sciences, mais bon, c'est une distinction qui est très critiquée, notamment bah, en histoire environnementale, qui est mon champ de recherche. Parce qu'en histoire environnementale, on essaie justement de connecter l'histoire des humains, l'histoire des sociétés et l'histoire des non-humains, sans séparation entre les deux. Et pendant longtemps, effectivement, Emmanuel Leroy-Ladurie a fait une histoire du climat, par exemple, en 67. D'ailleurs, un ouvrage remarquable, hein. Mais c'est une histoire sans les hommes. Est-ce que tu le recommandes ce livre? Parce que c'est une question que je t'ai posée sur Twitter, j'ai hésité l'an dernier à l'acheter. Est-ce que tu recommandes ce livre? C'est deux Oui, tomes, je crois d'ailleurs, non? je recommande tout simplement parce que c'est un grand classique et c'est toujours bon de lire les classiques. Et il y a plein de choses qui sont encore valables aujourd'hui, ça a été écrit il y a longtemps. Mais bah, c'est une histoire où les sociétés apparaissent très peu finalement. Et c'est pas du tout l'objet de l'histoire environnementale. Et c'est pour ça qu'en fait, une distinction qu'on fait en général en histoire environnementale, c'est entre histoire de l'environnement, que parfois on appelle aussi écologie, histoire des variations des milieux, par exemple du climat, ou des berges d'une rivière, ou que sais-je. J'ai pas entendu le mot, comment vous l'appelez? Alors, soit histoire de l'environnement, Oui.
ou écologie historique. Ok, écologie On historique. fait l'histoire des milieux. Dans l'histoire environnementale, on essaye de travailler sur les sociétés dans leur milieu, dans leur environnement. Et du coup, est-ce que ça a beaucoup de sens de faire cette disjonction entre sciences de l'esprit et sciences de la nature dans l'histoire environnementale? Bah, pas forcément. Par exemple, si on veut faire l'histoire du climat lié à l'histoire des hommes, bah, ça a été fait et c'est encore en train d'être fait, eh bien, il faut faire des sciences de la nature. Enfin, je prends un exemple marquant, c'est deux auteurs, je crois qu'ils sont géographes de formation, mais ils ont fait un travail aussi d'historien, ça s'appelle Lewis et Maslin, si je ne dis pas de bêtises, oui. En 2015, ils ont publié dans Nature un article important sur ce qu'ils appellent, eux, les origines de l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, qu'est-ce que c'est? C'est la période géologique dans laquelle l'homme a un impact majeur sur le fonctionnement du système Terre. Bon, ça reste à valider par les géologues, etc. Je laisse ça de côté, mais il y a plein de chercheurs qui essayent de trouver l'origine de l'Anthropocène parce que c'est vrai que l'homme a un impact majeur sur le système Terre. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de bien établi. Eh bien, Lewis et Maslin, ils font partie de l'hypothèse suivante. Les hommes, les humains, ont un impact mondial sur la Terre dès lors qu'ils modifient le climat en profondeur. Et eux, ils ne parlent pas de la révolution industrielle avec l'exploitation des énergies fossiles. Ils parlent d'une date qui est étonnante, qui est le début du XVIIe siècle. Alors, pourquoi? Parce que, cette fois, au début du siècle précédent, au début du XVIe siècle, il y a eu la conquête de l'Amérique par les Européens, la conquête des empires aztèques, des empires incas, bon, et surtout l'effondrement démographique des habitants de ces régions. Mm-hmm. Dizaines de millions de morts, la population s'est extrêmement réduite en l'espace de quelques décennies, ce qui fait que, comme il y avait moins d'hommes, il y avait plus d'espace pour la nature et donc pour les forêts. Il y a eu une reforestation d'une partie de l'Amérique. Et comme il y a une reforestation d'une partie d'Amérique, il y a une captation du CO2 par les forêts qui ont été nouvellement créées. Et Maslin et Lewis ont dit, bon, ben, forcément, on doit trouver une trace de ce changement climatique. Et ils l'ont trouvé dans les carottes de glace, où vers 1610, on trouve un plus bas niveau de CO2 historique. Et donc, pour eux, c'est ça le début de l'Anthropocène. Et voilà, ils font des sciences, en même temps des sciences d'esprit, des sciences historiques, et des sciences de la nature. Et donc, c'est pour ça que l'histoire environnementale est la reine des sciences. Bon, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis là, et on va en venir sur l'histoire environnementale. On a des... Alors, je ne sais pas si on peut dire des amis, mais en tout cas, déjà, avec qui on discute tous les deux en commun, qui est le cercle Cobalt, notamment avec Anthony Cobalt, et puis avec Hassan, que j'ai interviewé pour la chaîne. Et eux, ce qu'ils reprochent, en fait, quelque part, si je suis bien le raisonnement à la zététique, c'est de ne s'intéresser qu'à des sciences que l'on dit dures, parce que pour eux, disons, ce qu'ils reprochent aux zététiciens, c'est que pour eux, ça représenterait la science en tant que telle, mais qu'ils ne s'intéressent pas assez aux sciences humaines et sociales, alors que le cercle Cobalt, lui, veut s'intéresser beaucoup plus aux sciences humaines et sociales. Et ce que tu dis là sur la distinction entre les deux, il y a certains groupes qui le font aussi au niveau de la zététique en disant en fait, même la zététique différenciée de science, ça ne s'intéresse pas à certaines autres. Je ne sais pas si toi tu le vois de la même façon ou pas. Okay. Alors, bon, le cercle Cobalt, bon, je ne sais pas si ce sont des amis, parce que bon, idéologiquement, j'ai énormément de désaccords. Et notamment sur le fait que. Ce qu'ils appellent zététique, en fait, c'est une forme de scientisme, c'est très clair chez Hassan Occident. Et alors, c'est assez drôle parce que souvent, ils attaquent les marxistes en disant, oui, ils font de la pseudo-science comme Lysenko. Alors, Lysenko, c'était ce biologiste qui avait une théorie complètement farfelue sur la reproduction des plantes. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de Lysenko, mais en tout cas, c'est de la pseudo-science, effectivement, cette fois-ci biaisée par l'idéologie marxiste. Mm-hmm. Bon, ils ont raison sur ce plan, Lysenko, c'était un charlot de la science. Mais Lysenko, c'était aussi un scientiste qui croyait que la science allait répondre à toutes les questions, etc. Donc, j'ai l'impression que les gens du cercle Cobalt, alors je ne vais pas me faire un homme de paille, donc c'est vraiment une impression, pour me répondre éventuellement, qu'ils tombent aussi dans ce biais-là, c'est-à-dire qu'ils ont une idéologie qu'ils ne voient pas, et j'ai l'impression qu'ils se pensent objectifs alors qu'ils ne sont absolument pas, et donc, ils font des propositions qu'ils pensent scientifiques, mais qu'ils ne font pas du tout, en fait. Et par exemple, le fait que, je sais pas, la sociologie serait une pseudo-science, ou que Pierre Bourdieu serait
un complotiste. Enfin, bon. Alors, mais je crois, je suis pas là, bien sûr, pour les défendre, mais comme j'ai fait une interview avec Hassan assez longue, je ne pense pas qu'il estiment que la sociologie soit une pseudo-science, je pense en fait l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'ils estiment que la zététique, on va dire, du net, enfin on va parler de la tronche en biais de Mr. Sam, etc., ne prennent pas suffisamment en compte la sociologie ou l'histoire comme des sciences à proprement parler et les laissent un peu de côté. Et ce que veut faire le cercle cobalt, en fait, c'est essayer de remettre ces sciences-là un peu au milieu de l'arène zététique, Oui, de ce que alors. j'ai compris de leur projet. Alors après, bien sûr, on peut avoir, et je pense que j'aurai un jour un débat avec Hassan sur l'existence, par exemple, des races humaines, puisque, bien évidemment, en tant que biologiste, je peux être que contre cette idée. Mais ils défendent toujours cette idée en disant, mais en fait, c'est des sujets qui ne sont pas traités parce que c'est considéré comme non scientifique, etc., alors que c'est des sujets qui sont importants, en tout cas à leurs yeux. Et donc, ils ont cette critique de la zététique en disant, mais vous ne regardez pas tous les aspects de la science, puisqu'il y a des branches complètes de la science que vous laissez de côté. Ça, c'est la critique de ce que je comprends qu'ils font à la zététique, tu vois. Oui, alors sur la sociologie, alors peut-être que j'étais un peu vite en disant qu'ils étaient contre la sociologie, mais voilà, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'ils font un peu un homme de paille de la sociologie telle qu'elle se fait actuellement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre plein d'études effectivement complètement bidons en disant regardez ces charlots de sociologues et ils font de la pseudo-science et la sociologie c'est plus ce que c'était. Bon, voilà. Ils n'attaquent pas forcément la sociologie en tant que telle, mais la sociologie actuelle. Alors je ne suis pas sociologue donc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de choses défectueuses en sociologie actuellement. Il y en a, mais comme partout. Et quand je parlais de scientisme, justement, voilà, l'exemple que j'avais en tête, que j'ai pas cité, c'est l'existence des races humaines. C'est un Occident est assez très intéressé par ce sujet. Alors il dit qu'il y a un débat scientifique là-dessus. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais a priori, je pensais que c'était réglé, que l'idée de race n'existait pas et que quand un Occident essaye de défendre l'idée de race humaine, en fait, c'est plutôt l'idéologie que la science qui parle, pour reprendre le nom de la chaîne. J'ai pas fait exprès. Mais je me trompe peut-être, il n'est pas là pour répondre et peut-être qu'il répondra. Alors, j'ouvrais juste la parenthèse sur le cercobal parce qu'on discute tous les deux avec eux. C'est vrai que j'ai employé le terme ami, mais je connais Hassan pour l'avoir interviewé. Et c'est quand même quelqu'un d'agréable pour discuter. Enfin, je veux dire, demain, je l'ai en face de moi, on boit un café, puis on discute. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien avoir des discussions avec eux parce que je trouve qu'ils sont quand même assez agréables à discuter. Même Anthony Cobalt, avec qui je discute, ils ont quand même des arguments et c'est intéressant de discuter avec eux. Pour ça que j'utilisais le terme ami, mais c'est vrai qu'on ne les connaît pas personnellement. Enfin, moi, je ne les ai jamais rencontrés dans la vraie vie, mais des gens avec qui je trouve qu'il est intéressant de discuter sur Twitter, il n'y en a pas non plus des milliers, donc je mets là. Mais c'est pour ça que j'ouvrais juste cette parenthèse sur le cercle cobalt, parce que j'avais l'impression que toi, les critiques que tu fais en fait du vocable sciences dures et sciences humaines, ou sciences de la nature et sciences de l'esprit, en fait, j'ai l'impression qu'ils font le. Disons la même critique pour la zététique, et je voulais juste un peu parler de ce sujet-là. Après, l'histoire des races humaines, c'est toujours une histoire compliquée, dans le sens où il y a une évolution de vocabulaire en science, parce qu'il y a une évolution en fait des notions en science. Et en fait, la race humaine est une notion ancienne qu'on avait en science et qui a existé, il faut dire la vérité, mais en fait, on change de vocabulaire parce qu'on change de notion. Et donc voilà, c'est toujours les débats en fait, est-ce qu'on a bien changé de notion, etc. Et je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs, Hassan avait fait une vidéo sur l'Anthropocène. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur l'Anthropocène, ce qu'il a fait. Et qu'on me tient parlé justement Non, de l'article Nature. Comment? En fait, il explique, et j'avais l'impression que tu disais la même chose à un mot, c'est pour ça aussi que j'en menais là-dessus. C'est qu'ils disent que l'Anthropocène n'est pas défini j'ai pas vu géologiquement, la vidéo. donc. Ok. Mais ce qu'ils disent dans la vidéo, et comme tu parlais de géologie, c'était juste un petit, mais après on va fermer la parenthèse sur Sarcobalt, on va avancer. Dans la vidéo, Hassan explique en gros, parce que la vidéo est assez longue, mais si je la fais courte, que l'Anthropocène est une notion mal définie parce que géologiquement, ça n'existe pas en fait. Les géologues ne se sont pas penchés bien dessus pour définir comment on définit par exemple le Crétacé ou le Jurassique, etc. Donc en fait, pour lui, l'Anthropocène est une notion mal définie et qu'il faudrait peut-être mieux définir et beaucoup plus compléter que ce qu'elle est à l'heure actuelle. Donc c'est la critique qu'il fait de la notion même d'Anthropocène. Alors, mais je suis d'accord avec cette critique. Hein. Alors déjà, ce sont les géologues qui, à la fin, vont décider. Et eux, ils travaillent sur des milliards d'années. Donc, on peut attendre longtemps, c'est pas grave.
Et je ne suis pas du tout géologue, donc je suis personne pour dire que l'Anthropocène, ça existe. Mais c'est surtout une notion critiquable parce que, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est Anthropos, qui est cet homme indifférencié qui bouleverse la Terre. J'aime pas trop cette notion, dans la mesure où elle a tendance à biologiser la crise environnementale et le basculement de trajectoire du système Terre, alors que, en fait, c'est un système de production, de consommation qui a fait basculer la Terre dans cette nouvelle trajectoire. Pas seulement un système de production et de consommation, parce qu'on peut penser au capitalisme, mais Maslin, pardon, et Lewis, pour eux, c'est la conquête de l'Amérique. Donc, ça peut être aussi des formes d'impérialisme qui ont complètement bouleversé effectivement l'écologie de territoires entiers comme les Amériques. Donc, c'est une notion très critiquable et qui a été très bien critiquée. Si je recommande un livre qui est L'événement Anthropocène de deux historiens, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressaud, c'est vraiment un livre remarquable. C'est l'un des livres qui m'ont donné envie de faire l'histoire environnementale en fait. Et dedans, ils déconstruisent la notion anthropocène. Alors, pas comme le cercle cobalt pour qui il faut attendre l'avis des géologues, pourquoi pas d'ailleurs, hein. Mais dans un sens plutôt science humaine et sociale, même science critique, c'est-à-dire que cette notion, en fait, elle paraît neutre, elle paraît scientifique, mais en fait, elle charrie une vision de l'humanité qui n'est pas neutre du tout, puisque c'est, en gros, ce serait le poids du nombre qui ferait l'anthropocène. C'est l'anthropos. C'est, bien sûr, est-ce que entre Donald Trump et le petit paysan indien, il y a quand même une différence. Je suis d'accord. Alors, on ferme la parenthèse sur Cercle Cobalt, on l'avait dit là. Si Hassan veut répondre, on peut l'inviter à un débat, on peut discuter. Voilà, nous, on a juste parlé comme ça. Et comme je dis, c'est quand même agréable de discuter aussi avec eux. Donc, je prends toujours des risques lorsque je parle de Cercle Cobalt parce que les esthéticiens n'aiment pas beaucoup et que je sais que certains ont été un peu énervés lorsque je les ai invités, tu sais, pour parler, savoir si c'était un groupe de. La vidéo s'appelait « Est-ce que le Cercle Cobalt est un groupe d'extrême droite ou un groupe de zététiciens ?» C'était la question qu'on avait posée. Mais moi, j'invite les gens qui ont des choses intéressantes à dire. Donc, je ne vais pas inviter Soral ou je ne sais pas, parce que ce n'est pas des choses intéressantes à dire, que les choses soient claires. Mais disons des gens qui défendent leur point de vue, même si des fois ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Donc, si Hassan veut répondre ou si on a mal expliqué un peu ce qu'ils disent, il est bien sûr invité à répondre soit en commentaire, soit on fera un débat avec lui, tous les trois, et puis on discutera un peu. Alors, on va reprendre un peu sur l'étude de l'histoire environnementale. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure et qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire qu'en fait, l'historien va travailler sur une période bien définie. Et ce qui m'intéresse là, en fait, et tu vas nous dire un peu la question que toi, tu te poses exactement pendant ta thèse, c'est que quelque part, sans même avoir prononcé le mot, tu as dit qu'il fallait que la question soit très bien définie pour que finalement, il y ait le projet qui se tienne. Que si c'était une question totalement farfelue ou totalement aberrante ou qu'il n'y ait pas d'archives, on ne pourra pas répondre. Alors, cette notion de question bien définie est extrêmement importante à la science et il faut insister parce que beaucoup de charlatans de la science et beaucoup de gens qui... j'ai envie de parler d'Aberkant, par exemple, qui pose des questions, et on le voit en vidéo, les questions sont tellement mal posées, tellement larges, en fait, que ça ne fait pas scientifique du tout. Le scientifique, c'est quelqu'un qui arrive à se poser les bonnes questions pour avoir des réponses possibles. Alors, je voulais faire cet aparté. Toi, quelle est la question exacte que tu te poses pendant ta thèse? C'est-à-dire, quel siècle tu étudies et quelle région du monde tu étudies et quelle est la question que tu te poses? Ah, c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de mon sujet de thèse. Alors, le titre que j'ai donné de mon sujet de thèse, c'est « Résister aux pollutions industrielles dans le nord de la France et en Belgique, année 1770, année 1870, donc un bon siècle. Et à la base, en fait, j'étais parti plutôt sur les résistances aux pollutions charbonnières, aux nuisances liées à l'exploitation du charbon, puisque la question que je me posais, c'était comment est-ce que les sociétés ont vécu de transition énergétique ici, parce que c'est transition énergétique en histoire, je ne vais pas entrer là-dedans, mais comment ces populations ont vécu effectivement l'exploitation du charbon durant la première industrialisation. C'est dans les années 1770 que dans le nord et en Belgique, notamment du côté de Valenciennes, de Mons, mais jusqu'à Liège aussi, on commence vraiment à exploiter le charbon de manière relativement intensive, c'est très, très relatif bien sûr. Et la première industrialisation, elle s'accomplit dans les années 1860-70.
Et c'est une figure intéressante, les années 1860-70, puisque c'est vraiment la période à partir de laquelle le charbon devient l'énergie dominante. C'est-à-dire qu'auparavant, les énergies dominantes, ça reste le bois, ça reste l'eau, le vent, les énergies traditionnelles. En fait, ben, c'est quelque chose que les historiens savent bien, mais qui est encore trop ignoré dans le grand public, c'est que l'industrialisation, elle s'est faite fondamentalement sur les énergies qu'on appelle renouvelables. Et le charbon est venu après. C'est plutôt l'exploitation massive du charbon, c'est plutôt une conséquence de l'industrialisation qui nous pose. Du coup, voilà, j'étais parti sur les résistances aux pollutions charbonnières, et dans mon hypothèse, en fait, il y avait beaucoup de résistances, parce que qu'est-ce que c'est que le charbon? C'est une substance qui n'est pas très agréable, qui est salissante, dont la combustion émet des fumées sulfureuses qui peuvent être très dommageables à la santé. Et donc, je pensais que j'avais trouvé plein de plaintes, de résistances, de gens qui disent on veut pas de charbon chez nous. Bon. Bien, je suis allé aux archives, par exemple. Bon, je trouve qu'à partir de 1810, il y a un décret qui est pris par Napoléon pour classer les différents types d'établissements qu'on appelle dangereux, incommodes, insalubres. Et en fait, à partir de cette année, 1810, et de ce décret, les industriels ne peuvent pas s'établir comme ils le veulent. En fait, ils doivent demander une autorisation administrative. Les industries les plus polluantes doivent avoir l'autorisation du Conseil d'État, et celles qui font moins du préfet, pour le détail. Et à partir de cette loi, en fait, les riverains, ils ont le droit de se plaindre des pollutions. Si l'usine pollue, ben, les habitants ont le droit de se plaindre, et peuvent avoir des dédommagements. Donc, je pensais à trouver plein de plaintes contre le charbon. Eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'en ai trouvé un petit peu. J'ai trouvé plein de plaintes contre les pollutions, mais pas forcément charbon, en fait. Et du coup, ma question, j'ai dû la reformuler en question aux sources. Ensuite, les sources répondent. Et on peut un peu modifier sa question pour faire évoluer la recherche dans un sens qui serait intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de plaintes contre le charbon. Voilà, et c'est aussi, aussi un point assez intéressant, peut-être c'est intéressant de parler de ça. Est-ce que l'histoire respecte le critère de falsifiabilité de Popper? Il y a plein de gens pour qui la science, c'est le critère de Popper. Et donc, en gros, le critère de Popper, c'est de dire une théorie ou une hypothèse est scientifique dès lors qu'on peut imaginer une hypothèse qui soit la réfute, soit la valide. Eh bien, bon, en histoire, moi j'avais une hypothèse. Si j'avais trouvé plein de plaintes contre les charbonnières, ben mon hypothèse aurait été validée. J'ai trouvé beaucoup. Est-ce que mon hypothèse est invalidée? Bon, en fait, la réponse est non, parce qu'en fait, il y a plein de sources qui ont été perdues. Peut-être les gens se sont plaints d'abord du bruit, mais ça ne veut pas dire qu'ils adoraient le charbon. Donc, en fait, mon hypothèse est encore valable, mais je ne peux pas vraiment la vérifier dans les sources. Donc, il y a aussi une grande part d'incertitude quand on fait l'histoire, parce que, je répète, hein, l'histoire, c'est une connaissance par trace, par indice. Et on ne peut pas reconstituer le passé dans un laboratoire. Donc le critère de falsifiabilité ne marche pas pour l'histoire. Mais en même temps, c'est un critère qui est un petit peu dépassé, hein, parce qu'en fait, il ne marche que pour la physique d'Einstein, j'ai l'impression, ce critère. Parce que pour la théorie de l'évolution, par exemple, il ne marche pas non C'est plus. difficile aussi, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un excellent cours de Florian Kovat qui a reçu, je crois, Oui. De philosophie des pseudosciences qu'on peut trouver qui est en ligne. Il parle très bien de tout ça. Comme quoi, le critère de Popper, il est intéressant, mais ce n'est pas non plus la panacée pour la science. Donc l'histoire ne le respecte pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une science pour autant. Et mon sujet illustre le fait que ben, le critère de falsifiabilité n'est pas respecté. Bon, du coup, pour revenir à mon sujet précisément, je m'intéresse donc aux résistances à toutes les pollutions, finalement. Parce que quand les gens se plaignent, ils se plaignent en fait de toutes les pollutions. Même quand ils se plaignent du charbon, ils vont se plaindre aussi des vapeurs acides, ils vont se plaindre du bruit, ils vont se plaindre de l'odeur. L'odeur, surtout, faire l'histoire de l'odorat, c'est très important. Parce que tout peut être objet d'étude, même l'odorat. Et voilà, la question que je me pose fondamentalement, c'est pourquoi est-ce que l'industrialisation a eu. Pourquoi est-ce que le progressiste s'est imposé alors que l'industrie, c'est énormément de nuisances pour les gens dans la vie de tous les jours? Comment on a pu accepter ça? J'ai un cas particulier, mais j'ai trouvé par exemple une affaire à Valenciennes. D'un conseil municipal en 1842, qui ne peut pas se tenir parce que ça pue trop. Parce qu'il y a une usine à côté qui envoie des vapeurs jusque dans Non, la c'est ça. pièce où a lieu la réunion. Voilà. Ou à Lille, j'ai vu un rapport d'un professeur de chimie à Lille en 1853. On lui a commandé ce rapport parce qu'il y a beaucoup trop de pollution. Mais là, c'est des pollutions pas charbonnières pour le coup. Parce qu'il y a des plaintes contre le charbon.
Et ce chimiste dit, ben oui, les poussières de charbon, on en trouve jusque sur les meubles à l'intérieur des maisons. Ces poussières qui sont l'émanation en fait des fumées industrielles ou même domestiques, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se chauffent au charbon. Il y a des nuisances extraordinaires et malgré tout, on a un discours dominant qui est industrialiste, progressiste, quand on représente les cheminées qui fument. C'est vraiment les minarets de l'industrie. On est très fier de ces hautes cheminées qui fument, c'est le signe du travail, de la prospérité. Donc voilà Même aujourd'hui d'ailleurs. la question. Oui, bien sûr. Mais moins, quand même, je pense. Bon, ce sera vérifié, ça aussi. Donc voilà, en gros, en quelques mots, là où les questions que je me pose dans ma thèse. D'accord. C'est intéressant de voir comme, selon les sources que tu trouves, tu peux, comme tu dis, changer un petit peu la question et changer un petit peu l'angle de la recherche. Ça c'est quelque chose que je trouve trop bien. Si tu, alors justement par rapport à la recherche historique et à ce que tu fais, on va revenir sur l'histoire environnementale, mais une question là tout d'un coup qui vient. Comment tu définirais l'histoire en elle-même par rapport à ça justement, à la méthode scientifique, aux questions précises que vous posez, aux périodes précises que vous étudiez? Si tu devais donner une définition générale du terme histoire, quelle définition tu donnerais? Alors, la définition que j'aime toujours, c'est celle de Marc Bloch, qui est un très grand historien de la moitié du XXe siècle, hein, qui est très connu, qui est mort d'ailleurs héroïquement en tant que résistant en 1944. Et en 1941, il a écrit un texte qui s'appelle Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui est un texte qui se lit encore très bien aujourd'hui, que je recommande à tous et toutes. Et dans ce texte, il définit l'histoire comme étant la science, enfin, le science, des hommes dans le temps. Alors, il dit pas dans le passé. Il y a toute une réflexion là-dessus. Pourquoi? Parce que le passé, ben, c'est ce qui n'est plus, c'est ce qui est mort, c'est ce qui est froid. Alors que le temps, c'est fondamentalement dynamique. Et l'histoire, en fait, essaie de saisir la vie des hommes qui nous ont précédés, alors on peut dire du passé, mais plutôt dans le temps, justement, parce que il faut faire ressortir le caractère vivant de l'histoire. J'aime bien le dire, c'est un petit peu provocateur, j'aime bien dire que l'histoire, c'est une science de la vie. Et Mais c'est il y a de exactement ça, d'ailleurs ce que hein. disait. À peu près un contemporain de Marc Bloch, c'est Lucien Febvre, qui est un autre très grand historien de l'époque, de ce qu'on appelle l'école des annales, c'est-à-dire l'école qui fait l'histoire économique, sociale sur un temps long. Et Très Lucien bien Febvre dit. expliqué dans ce livre d'ailleurs, l'historique de l'école des Annales. Je reviens sur ce livre, mais je trouve que c'est un Ben, des je vais le meilleurs lire bouquins aussi. sur l'histoire de France qui a été écrit. Ouais. Il faudrait que je le lise aussi, alors. Merci pour la recommandation. Et Lucien Febvre dit, effectivement, les hommes, seuls objets de l'histoire. Bon, après, j'ai un petit peu mal quand même avec cette expression, puisque en histoire environnementale, c'est pas que les hommes, justement. Et on traite aussi beaucoup des non-humains. Ce qui pose d'ailleurs des questions épistémologiques assez difficiles. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que les animaux, ou je sais pas, moi, les cours d'eau, les montagnes, etc., est-ce qu'on peut dire que ce sont des acteurs de l'histoire? Alors, certains historiens défendent cette idée, mais le risque, c'est de tomber dans l'anthropomorphisme, en fait. Donc, moi, j'ai un peu de mal. Alors, je suis d'accord avec toi, mais rappelle-toi la discussion qu'on avait eue sur l'Empire romain. Quand il y a eu un volcan qui a explosé, enfin, qui s'est ouvert en Alaska, qui a changé le climat de l'Europe et où certains disent qu'il y a eu un effondrement de l'Empire romain à ce moment-là, c'est-à-dire que cette montagne-là, dont j'ai oublié le nom, mais je t'ai dit, j'ai une vidéo en préparation, là, j'ai tous les articles, en tout cas de géologie, que j'ai recherché. Elle a fait partie de l'histoire quelque part, puisqu'elle a empêché les cultures, notamment de blé, dans l'Empire romain en Europe, alors qu'il y a quelques milliers de kilomètres, et puis l'économie s'est un peu plus effondrée, etc. Donc elle a joué un rôle dans l'histoire, en tout cas de l'Europe, et probablement d'ailleurs des Amériques, mais dont moi je ne connais rien, mais où il doit y avoir des livres écrits dessus et des textes écrits dessus. Donc sans jouer à l'anthropomorphisme, il y a quand même un rôle de Oui, l'environnement directement sur les sociétés humaines. bien sûr, ça c'est évident. Et d'ailleurs, je reviens à Emmanuel Leroy Ladurie, lui qui parlait de champ de force, l'environnement, ce qui limite en fait les capacités humaines, les potentialités d'action. Donc c'est une contrainte. Mais voilà, c'est le problème, c'est le mot acteur. Est-ce qu'on peut dire qu'une montagne est un acteur? Puisque est-ce qu'un acteur, fondamentalement, c'est pas quelque chose qui a une intériorité? Donc c'est très difficile, mais on peut redéfinir le mot acteur. Donc, pourquoi pas? En tout cas, ce qui est clair, c'est que en histoire environnementale,
on connecte l'histoire des humains à l'histoire des non-humains. Ça, c'est évident. Et effectivement, peut-être que les fumées qui sortent des cheminées ne sont pas des acteurs au sens fort, mais ils font partie de l'histoire et ils bouleversent les représentations, d'ailleurs dans un sens négatif, quand on s'en plaint, mais aussi dans un sens positif, parce que comme je disais tout à l'heure, très souvent à l'époque, et c'est vrai. Mais voilà, c'est une question très, très compliquée. Hein. Donc, quand Lucien Febvre dit les hommes, seuls objets d'histoire, aujourd'hui, je pense qu'il nuancerait avec les apports de l'histoire environnementale. Parce que l'histoire environnementale, ça date des années fin 60, années 70 aux États-Unis. Okay. Et en fait, c'est une réaction à une histoire qui se faisait sans l'environnement, ou plutôt sur l'environnement. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est un champ de recherche qui est né aux États-Unis. Et c'était une réaction, notamment une histoire assez traditionnelle aux États-Unis, qu'on appelle l'histoire des frontières, l'histoire des borderlands. C'est fondamental dans l'histoire de l'Amérique, la conquête de l'Ouest, comme on dit trivialement. Toujours pousser la limite. Voilà. Et il y a un historien très important américain de la fin du 19e, du début du 20e siècle, qui s'appelle Turner, Frederick Turner, qui fait l'histoire justement de cette conquête de l'Ouest comme étant une domestication de la nature sauvage par l'homme américain et ses vertus individualistes et démocratiques, si je caricature un peu. Et les premiers historiens environnementalistes des années 60-70, eux, justement, ils ont dit, mais en fait, l'homme américain qui est parti dans l'Ouest, il n'a pas fait que domestiquer la nature, il a aussi dû composer avec elle, et ça pouvait être très compliqué aussi de composer avec elle. Et, puisque, comme on disait, ça pouvait être une contrainte, un champ de force. Donc, on m'a dit, si aujourd'hui, enfin, je ne vais pas faire parler les morts, mais je pense que Lucien Febvre lui-même a admettré que parmi les objets, la nature. Après, qu'est-ce que la nature? Certains diraient que la nature n'existe pas, qu'elle est forcément anthropisée, mais en tout cas, les objets non humains. Oui, ça, c'est des sujets intéressants. Tu parles d'ailleurs de la naissance de ce type d'histoire dans les années 60-70. Le rapport Meadows, il date de 72. Les premiers articles peer-reviewés que moi j'ai pu trouver, parce que j'avais cherché là-dessus, sur l'impact de l'humain sur le climat, c'est 75-76. Est-ce que ça vient de là aussi, de cette prise de conscience à l'époque, on n'avait pas de certitude, mais de cette prise de conscience d'une possibilité de l'humain qui influe directement sur le climat et les écosystèmes? Aujourd'hui, on a cette certitude, mais à l'époque, je pense que c'était semi-hypothétique, on va dire, dans les années 70. Je pense qu'à l'époque, on le savait déjà, et je pense qu'en fait, on le savait depuis très longtemps. Parce qu'avant le rapport Meadows, dans les années 60, il y avait déjà, je ne sais pas, penser à Bompé de Ehrlich, qui craignait un effondrement à cause de la démographie humaine. Ce n'est pas vérifié, finalement. Dans les années 40, il y a aussi des textes sur un possible effondrement environnemental. Je pense aux travaux de Fairfield Osborne, notamment, qui était un naturaliste américain qui a publié un texte à la fin des années 40 pour dire qu'on va vers l'épuisement des ressources généralisées et des catastrophes environnementales majeures. Ok. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est 60-70. Hein, c'est plutôt, le rapport Meadows, c'est plutôt une conséquence, encore une fois, d'une réflexivité sur l'environnement qui est plus ancienne. Et même au 19e siècle, moi, j'ai trouvé des choses sur un possible effondrement de la civilisation à cause de l'industrie. J'ai trouvé des choses comme ça. Ok. Non, tout ça, je ne savais pas. Je crois que le rapport Meadows, c'était le premier truc où on s'est dit, putain, on a un problème. Et l'humain, donc je crois que ça datait de 72, où on a pris conscience, en fait, un peu de ça. Et comme tu parlais des années 60-70, je me suis dit, peut-être des années 60, début 70, on avait moins de preuves, on était moins sûr du truc, et que le rapport Meadows a peut-être plus acté, tu vois. Mais comme je ne connais pas cette histoire-là du tout, c'était une idée que j'avais, mais tu viens de démontrer l'inverse. Sur ce point, j'ai encore recommandé un livre qui est paru en 2020, c'est assez récent, de Jean-Baptiste Fressoz et de Fabien Locher. J'ai déjà cité Jean-Baptiste Fressoz. C'est un livre sur l'histoire du changement climatique depuis le 15e siècle. Okay. Parce que, en fait, l'idée de changement climatique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'idée d'effondrement à cause du climat, ce n'est pas nouveau. Et par exemple, il cite des documents de la fin du XVIIIe siècle où très clairement dit que si on continue à déforester massivement l'Europe, on va vers un effondrement de la civilisation, parce qu'à l'époque, la grande peur environnementale, c'était la déforestation. Donc en fait, il y a une conscience environnementale qui est très ancienne.
Et je pense pas qu'il y ait de prise de conscience dans les années 60-70, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une plus forte conscience dans les années 60-70, ça c'est vrai. En fait, il y a des variations plutôt dans le niveau de conscience, des choses comme ça. Mais on n'oublie pas, on n'oublie jamais vraiment l'environnement, parce que c'est assez évident que, ben, oui, si mon environnement est pollué, j'ai moins bien vivre. C'est assez trivial pour tout le monde depuis très longtemps. Mais du coup, oui, comme la conscience environnementale était plus forte dans les années 70, ben, les historiens se sont emparés des questions du temps, justement pour les poser au passé. On retrouve le questionnement et le fait que l'histoire est toujours historiquement située, l'écriture de l'histoire est toujours historiquement située. On posera toujours des questions nouvelles avec les nouveaux enjeux. Et ça, c'est le cours normal de... Je ne sais pas si c'est le cours normal de la science en général, mais en tout cas de beaucoup de sciences, en tout cas de sciences humaines et sociales, ça c'est évident. On revient un peu à l'idée de mode dont on parlait au début. Oui, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas le mot de mode, c'est plutôt des enjeux, des grands enjeux contemporains. Mais bon. Et en biologie, on dit toujours, bon, moi je travaille sur l'endocrinologie, la physiologie du système cardiovasculaire, mais quand on n'arrive pas des fois à publier, puisqu'on a des difficultés parfois à vendre les papiers, on se dit, si on travaillait sur Alzheimer ou Parkinson, ou même sur l'âge ou le vieillissement de la peau, Nature nous ouvrirait les portes, alors que l'endocrinologie du système cardiovasculaire, on se dit, oui. Le rein, les surrénales, l'aorte, on repassait demain, quoi. Mais donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de mode, c'est parce que comme on a toujours la nécessité de publier, on essaie de voir aussi ce que la société demande et ce que les journaux demandent aussi pour pouvoir se faire une carrière aussi, parce qu'on a des sujets qui nous intéressent, mais on pense aussi quand même à notre futur. Enfin, c'est oui. Et il faut rappeler, pour revenir à l'histoire environnementale dans les années 60, c'est une histoire qui s'appelle Grégory Quenet qui le souligne, qui le rappelle, c'est que c'est un peu bizarre aujourd'hui, mais le pays le plus écolo en termes militants dans les années 60, ce sont les États-Unis. Et moins la France, par exemple. Et la France, du coup, va rattraper le cours de l'histoire environnementale assez tard, on disait 2000 peut-être. Il y a déjà des choses à la fin des années 90, mais c'est assez tard en fait par rapport aux États-Unis. Et justement, en France, on a fait plutôt de l'histoire de l'environnement, de l'écologie historique. Parce que justement, on s'est intéressé au climat, on s'est intéressé aux montagnes, on s'est intéressé aux catastrophes naturelles, mais pas vraiment au lien entre non-humain et humain. Oui, alors ça m'étonne pas que dans les années 60, les États-Unis soient plus écolos, parce que il y a quand même le mouvement hippie qui va naître là, où il va y avoir quand même un début assez fort d'anticapitalisme, avec aussi des jeunes qui vont découvrir les États-Unis, qui vont se rencontrer les uns les autres, et qui vont essayer de créer un petit peu ces communautés quelque part autonomes, en tout cas, qui vont s'opposer ou se sortir un peu du système américain qu'on connaissait à l'époque. Oui, il y a oui. Tout ce mouvement-là aussi. Il y a le mouvement des droits civiques. Oui, parce que l'histoire, les premiers historiens environnementalistes étaient très militants en général. Et pour eux, en fait, la domination sociale, la domination raciale et la domination environnementale, c'était un seul problème, en fait. Et on retrouve encore une fois le biais idéologique, mais il y a des superbes travaux qui ont été faits à partir de ces biais, de ces motivations idéologiques. Mais à la fin, les conclusions ne sont pas idéologiques. Ils disent les choses telles qu'elles ont été. Bon, il y a un niveau de preuve qui est quand même requis, quoi. Donc c'est aussi important d'être dans son temps, quoi. C'est pas forcément un mal. Ce que tu me dis, ça me rappelle un peu quelqu'un dont on a parlé il n'y a pas longtemps tous les deux sur Twitter, qui est Peter Singer, lorsqu'il il va parler de la condition animale, où il dit qu'en fait toutes les luttes doivent converger aussi, et que la lutte pour la condition animale est une lutte aussi qui est nécessaire pour le droit des femmes, le droit des minorités dans certains pays. Donc je pense, et on est dans les années 75 lorsqu'il écrit son premier livre, en 1975, et je pense qu'on est dans ce mouvement-là aussi, comme tu dis, c'est vrai, de lutte pour les droits civiques et pour contre l'oppression, etc. Et il y a le mouvement animaliste aussi qui va naître à ce moment-là. Et l'éthique environnementale en philosophie qui naît dans les années aussi avec Callicott, avec d'autres aussi. Donc c'est pas un hasard. Et... Voilà, on n'est pas objectif, mais c'est pas grave. C'est même justement une chance, j'ai envie de dire, parce que si on était vraiment des robots qui traitent objectivement les choses, je pense pas qu'on ferait des choses très intéressantes finalement. Oui, en tout cas, ça a l'air très intéressant là, les études que tu fais là-dessus. Et alors, bien sûr, on demande toujours aux historiens qui étudient une période donnée de ne pas transposer leurs recherches et leurs idées sur le présent.
Mais j'ai envie de te donner une petite expérience de pensée. Imaginons que tu sois, par rapport à ce que tu sais toi, des années 1770-1870, qui est la période que tu étudies, imagine dans un siècle et demi, tu dois étudier le milieu du XXe siècle, le milieu du XXIe siècle. Comment, par rapport à la période que toi tu vois dans le siècle 1770-1870, comment tu vois le présent par rapport aux associations militantes, par rapport aux plaintes qu'il peut y avoir sur l'environnement? On a parlé tout à l'heure, par exemple, des tours de charbon, des fumées que tu dis, où tu as dit à l'époque que ça représentait l'industrie. Je te dis maintenant peut-être aussi un peu, mais peut-être un peu moins. Toi, tu m'as dit un peu moins. Comment tu vois ce présent-là qu'on est en train de vivre, toi qui fais de l'histoire environnementale? Et comment Alors tu déjà, la verrais si tu étais historien, disons, dans un siècle aussi, voilà. Question un peu difficile, c'est une très expérience de difficile. pensée peut-être un peu difficile, mais. Oui, alors, je vais quand même essayer d'y répondre à partir de mon statut d'historien, du d'apprenti historien. Je suis encore que doctorant du début du XXIe siècle. Quel regard je porte sur les gens du XIXe siècle, par exemple? C'est compliqué puisque l'histoire, c'est aussi une science qu'on appelle compréhensive, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre les acteurs, leurs motivations, et donc à essayer de se mettre dans leurs chaussures. Alors, ce n'est pas possible. On essaie de trouver des traces pour essayer d'entrer un peu dans ce que Lucien Febvre appelait l'univers mental, mais bon, c'est très compliqué de reconstituer l'univers mental du passé, ce n'est pas vraiment possible. En fait, quand on fait de l'histoire, et quand on fait de l'histoire en même temps des acteurs, là, des acteurs humains, pour le coup, on essaye de reconstituer des pensées ou des fragments de pensée. Mais pour cela, en fait, il faut penser la pensée des gens du passé. C'est un peu compliqué, hein, mais c'est comme le dit bien Antoine Pro, il cite d'ailleurs un autre philosophe de l'histoire qui est très intéressant, qui est assez inconnu malheureusement, il s'appelle Collingwood. Il écrit un livre qui s'appelle The Idea of History. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Et Collingwood dit effectivement l'histoire, c'est fondamentalement une repensée. Il faut comprendre les acteurs, mais au sens fort de comprendre, c'est-à-dire être avec eux. Et le risque, c'est ce qu'on appelle effectivement l'anachronisme psychologique, parce qu'on n'est pas sûr de savoir si vraiment les gens de l'époque, quand ils écrivent leurs pensées, franchement, dans un journal intime, on a des bonnes raisons de penser que c'est sincère. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Et puis dans les documents plus officiels, ben voilà, qu'est-ce qui est explicite, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est très compliqué. Et puis, il y a un autre risque, c'est entre guillemets, d'être trop empathique avec les acteurs du passé. Il faut quand même trouver le juste équilibre entre la compréhension nécessaire pour faire l'histoire des acteurs du passé, et en même temps ne pas, j'allais dire, se prendre pour eux ou être complètement dans leur chaussures, parce que de toute façon c'est une illusion, pour les gens de faire. Et donc c'est très important comme démarche, la démarche compréhensive, d'ailleurs qui complète l'histoire comme science explicative, mais pas explicative au sens fort, pas au sens où vous trouverez des lois générales. Mais au sens de l'homme de la rue, c'est-à-dire que, bah oui, pourquoi il y a eu tel événement? Parce qu'avant, il y a eu tel autre événement qui l'a causé, qui a joué un rôle, en tout cas, dans son advenu. Mais par exemple, voilà, c'est un exemple qui me fait sourire, que prend Antoine Pro. Il dit, bah, quand un historien dit qu'à la fin de son règne, Louis XIV est impopulaire parce que les impôts augmentaient, c'est le contribuable qui parle. Bah, oui, on n'est pas content de payer des impôts, plus d'impôts aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'époque, les gens n'étaient pas contents de payer plus d'impôts sous Louis XIV. Mais voilà, ça, c'est une limite fondamentale de la connaissance historique. On ne sera jamais sûr à 100% de ce qu'il y a dans la tête des hommes du passé, sauf au cas très particulier où quelqu'un a écrit des mémoires privées, très privées, quand il n'a pas tout dit dans ses mémoires. Le fameux Louis XIV, d'ailleurs, qui a écrit pour son fils, qui ne régnera jamais. Exactement. Et du coup, je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'histoire, parce que je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir pour essayer de réfléchir au temps présent. Mais par exemple, on peut aussi avoir tendance à exagérer les luttes sociales, je pense. Il y a une expérience de pensée qui est assez classique en philosophie, c'est de se placer, je sais pas, dans 100 ou 200 ans.
et d'imaginer quel serait le point de vue en fait, la consommation du XXIe siècle. Encore aujourd'hui, la consommation de viande, c'est quelque chose de normal. Mais il y a quand même beaucoup de militants qui disent que c'est éthique. Bon. Et peut-être que l'historien du futur qui fera l'étude de ces mouvements antispécistes et vegan, il aura tendance à exagérer peut-être ses luttes. Je ne sais pas. On peut avoir cette tendance aussi à avoir, effectivement, je trouve plein de plaintes contre l'industrie, mais est-ce que c'est vraiment représentatif? Oui. Bah, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, oui. C'est une très modeste histoire. Non, je vois ça. La modestie, c'est l'apanage du chercheur aussi. On arrive vers la fin de l'interview. Je vais te poser une question qui sort un peu du cadre de ce qu'on a dit. Mais si tu dois convaincre quelqu'un, imaginons quelqu'un nous écoute, un étudiant qui est en master ou qui va se diriger vers l'université, de le convaincre de faire des études en histoire et un doctorat en histoire, comment tu prendrais, quel discours tu y tiendrais? Déjà, il faut qu'il soit sûr de vouloir s'engager dans cette voie difficile et pas forcément très rémunératrice à la fin. Mm-hmm. C'est vraiment, on est payant. Le principal gain, c'est la connaissance. Quoi. Mm-hmm. Et, donc, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, par son sujet. Il y a des choses vraiment passionnantes en histoire. Je veux dire, justement, quand on a une hypothèse qu'on veut vérifier et qu'on trouve, ça, c'est un moment de choix. Mm-hmm. Très important. Et de même, quand on cherche quelque chose et qu'on trouve autre chose, mais qui est encore plus intéressant, mais là, c'est magnifique. Après, on passe aussi beaucoup de temps dans les archives à rien trouver. C'est très frustrant. Et voilà, c'est pas toujours rigolo, la recherche. Hein. Quand on passe des journées de 8 heures à dépouiller des cartons extrêmement rébarbatifs et qu'on trouve absolument rien, ça peut être assez désespérant, mais ça fait partie du métier. Mais voilà, il y a aussi des côtés très très positifs quand on est passionné par le sujet. Peut-être pour terminer, j'avais relevé une dernière citation d'Antoine Pro que j'aime bien. Parce que pour Antoine Pro, l'histoire, l'historien, c'est quelqu'un qui est aussi animé par une sorte de quête existentielle en quelque sorte. Et il écrit que l'histoire est par certains côtés une ascèse personnelle, la conquête d'une libération intérieure. Elle est savoir certes, mais aussi travail de soi-même sur soi-même. C'est trop peu de dire qu'elle est une école de sagesse. En écrivant l'histoire, l'historien se crée lui-même, et c'est vrai. Et avant de commencer là, j'ai fait un peu de recherche en master, mais là, ça restait superficiel en master. Maintenant que je suis vraiment dans la thèse, dans le grand bain, si j'ose dire, bien vraiment, je ressens cet aspect existentiel de la recherche historique. Alors, c'est peut-être très personnel. Bon, après, Antoine Pro en parle aussi, et d'autres historiens en parlent. Il y a Michelet, grand historien du 19e siècle, qui disait aussi des choses dans ce goût-là, quand il disait « c'est mon livre qui m'a écrit ». C'est vrai, il y a de ça. Donc, et c'est ce qui fait que la recherche est quand même passionnante et que souvent on me reproche de trop travailler, mais bon, est-ce que c'est vraiment un travail d'être aux côtés des morts comme ça? Un plaisir. Bon, voilà. Oui, c'est En parlant de Michelet, je voulais en parler un peu tout à l'heure, mais… toi, tu dis que c'est un grand historien. Est-ce que c'est un historien ou un archiviste? Parce que des fois, on lit que c'est un archiviste. Et quelle est la différence entre les deux? Ah, ben, c'est une très bonne question. En fait, c'est un peu les deux. Parce que Michelet, il écrit à une époque où il n'y a pas encore d'histoire institutionnalisée à l'université. Mm-hmm. Mais il y a déjà l'école des chartes, qui est l'école qui forme les historiens depuis 1821. Et Michelet, il a été le conservateur des archives nationales, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas spécialiste de Michelet, mais en tout cas, il a travaillé effectivement. Il a eu des fonctions d'archiviste. Et à partir de ses fonctions d'archiviste, il a développé une méthode d'enquête historique. Il a joué un rôle dans la scientifisation de l'histoire, si on peut dire. Après, Michelet, c'est un vieil historien. Il y a plein de choses, plein de choses qu'on n'écrirait plus aujourd'hui comme écrivait Michelet, bien sûr. Il a joué un rôle dans la formation de l'histoire comme discipline scientifique. Mais voilà, c'était à la fois un archiviste et un historien, c'était les deux. Mais la différence, c'est que bon, l'historien s'occupe de faire de l'histoire, c'est-à-dire d'étudier, comme je disais tout à l'heure, les hommes et les femmes, bien sûr. Mm-hmm. Pas oublier les femmes, c'est quand même 50% du sujet des historiens. Les hommes et les femmes dans le temps. Et l'archiviste, c'est celui qui va collecter des documents pour faire cette histoire dans des centres d'archives.
L'archiviste joue un rôle essentiel pour l'historien, mais il ne fait pas tout à fait le même travail. D'autant plus que l'historien, lui, doit en fait transformer les archives en sources, en posant des questions à ces archives. Et il ne doit pas se limiter aux archives des centres d'archives, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, hein, les taux de CO2 dans les carottes de glace, ça peut aussi être, entre guillemets, une archive. Donc voilà la différence fondamentale. Et donc la formation n'est pas la même. L'archiviste va passer par un master d'archivistique. Il va apprendre les techniques du classement de documents historiques, la valorisation de documents historiques, etc. Et donc, il y a des écoles spécialisées aussi pour ça, comme l'école des chartes qui existe encore aujourd'hui. Mais l'historien passe par d'autres voies, donc master recherche et ensuite doctorat. D'accord. Alors, puisqu'on est à la fin de l'interview, une dernière question. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait oublié d'aborder que tu souhaites... dire un point, une question, je ne sais pas, quelque chose qu'on aurait oublié. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Je voulais juste dire que pour ma part, je ne tiens pas forcément à ce qu'on classe l'histoire comme une science, parce qu'en fait, tout dépend de comment on définit la science. Il n'y a pas de définition parfaite de la science, donc je pense que l'histoire est une science pour ma part, parce que voilà, on a une méthode robuste, qui est une méthode critique, fondée sur un questionnement, sur des tests d'hypothèses, sur une forme d'expérience qui est la reconstitution des traces du passé, mais on peut aussi utiliser des expériences, ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Reproduire des savoir-faire du passé, c'est l'expérience, au sens fort, ça joue aussi un rôle en histoire. On produit nos résultats qui sont validés par des pairs. Ceci peut ensuite avoir de nouveaux questionnements à partir de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont jugé. Donc, tout ce beau monde travaille comme une communauté scientifique. Donc, quand je vois ça, je me dis, bon oui, l'histoire, ça ressemble à de la science quand même. On peut dire que c'est une science, mais je ne me braque pas quand on dit que l'histoire n'est pas une science. Parce que, je répète, hein, c'est une question de définition et au final, c'est une querelle verbale. Hein, une histoire de science ou pas. Ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est de savoir est-ce que l'histoire apporte des connaissances ou pas. Est-ce que ça a une valeur épistémique? Et là, je pense que tout le monde est d'accord. Oui, l'histoire est fondamentale pour accroître nos connaissances et même pour nous situer dans le monde présent. Si l'histoire sert à quelque chose, je n'aime pas trop cette question d'ailleurs, quoi sert l'histoire? Mais si elle sert à quelque chose, c'est au moins de nous orienter un peu dans le monde présent et d'être un peu plus humble aussi par rapport à tout ce qui nous a précédé. Le monde n'est pas né avec nous. À condition, bien sûr, qu'elle soit bien racontée, que ce ne soit pas Éric Zemmour ou d'autres qui le racontent. Absolument. Voilà. Mais pour parler de ça, je vais finir sur une anecdote. Le premier bouquin d'histoire qui m'a fait un peu pleurer, bon, je ne sais pas si c'est un bouquin d'histoire, mais je vais te parler de ça et je pense que ça, c'est marrant. Il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, c'est pas plus. Je lisais La Révolution française de Pierre Gaxotte, qui est de l'Action française aussi. J'étais tombé sur son bouquin à la FNAC, et puis à l'époque, je ne connaissais pas du tout, l'Action française, et ça m'intéressait en fait de lire sur la Révolution française. Et quand il va y avoir l'arrestation du roi, Savarin, il écrit tellement bien qu'en fait, il arrive à nous tirer les larmes à ce moment-là. On a presque peur pour Louis XVI. Et en fait, il a écrit son histoire, son livre, comme un roman, carrément. Je ne sais pas si tu l'as lu, ce livre. J'avoue que, autant j'ai beaucoup lu Blainville, mais Gaxotte, moins. Bon, Gaxotte, c'est le seul bouquin que j'ai lu. Et en fait, c'est comme un roman. On lit La Révolution comme un roman. Et en fait, le roi est le héros principal du roman. Et puis, la fuite à Varennes, c'est presque le climax du bouquin. Et puis, il arrive à tirer un peu les... Moi, je me rappelle... J'avais quelques gouttes qui tombaient, puis je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'il arrive? C'était bizarre. À ce point. Ouais, et peut-être il y a aussi mon affinité de droite, j'en sais rien, mais ma sensibilité de droite, je ne sais pas, mais je dis, c'est pour ça que je dis, il faut que l'histoire soit bien racontée, parce que des fois, en fait, les gens vont prendre le lecteur d'un point A à un point B, ça n'a rien d'historique, c'est plus du roman que de l'histoire, mais on va finir par croire que c'est vrai, puis on va nous-mêmes, en tant que citoyens, mal se raconter l'histoire et faire des choix politiques qui ne sont peut-être pas les bons non plus par rapport à ce qui devrait être. Alors oui, alors l'histoire doit être bien racontée, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps,
l'histoire ne doit pas être aussi émouvante parce que c'est très facile de convaincre par l'émotion. Non, c'est justement ce que je dis. C'est justement ce que je dis. C'est que là, il avait tellement écrit comme un roman, c'est tellement écrit comme un roman que ça émouvait. Alors qu'un bouquin comme ça, j'ai que deux livres à côté de moi, je vais le remontrer, mais un bouquin comme ça, c'est pas émouvant, mais en fait, c'est bien raconté dans le sens où on voit comment ils ont cherché, quelles sources ils ont. Ils parlent des personnages, de ce que les personnages ont fait. Par exemple, ils parlent de l'école des archives des chartes, là. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent de cette école-là. Donc, ils expliquent un peu tout ça. Et là où c'est bien raconté, c'est que justement, il y a des sources. On sent que c'est de l'histoire. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé lire Papen Diaye sur la condition noire en France. Parce que, et c'est ce que j'ai mis sur Twitter, c'est un chercheur qui écrit. Et c'est là où je dis bien raconté, en fait. C'est pas émouvant ou pas, parce que justement, je pense que c'est tout l'inverse que ça doit être. Et c'est pour ça que je prends l'anecdote de Pierre Gaxotte, où j'ai quelques larmes qui ont été tirées, parce que justement, il émeut par son écriture et par la beauté, en fait, de la langue, comme Jacques Bainville écrivait très bien. Mais c'est mal raconté dans le sens où c'est pas un chercheur qui raconte, c'est un militant politique, puisqu'il était très clairement militant politique, qui raconte un peu l'histoire à sa façon, comme le fait Zemmour, et c'est pour ça que je pense que Zemmour attire aussi beaucoup de monde, parce qu'il a une façon de romancer l'histoire qui fait que, ou même De Villiers, c'est encore plus flagrant d'ailleurs chez De Villiers, chez Philippe De Villiers, où il romance l'histoire, et en fait, ils vont tirer le lecteur complètement vers leurs opinions, et puis les gens vont pouvoir lire l'histoire que à travers eux. Et c'est là où tu disais l'histoire est importante, mais je dis, il faut qu'elle soit bien racontée, bien Oui, écrite. on est d'accord. Et on a cité beaucoup d'auteurs de droite qui écrivent une histoire biaisée et une histoire émotive, donc pour mieux convaincre. Il y en a un qui fait ça à gauche, enfin qui faisait ça, c'est Henri Guillemin, par exemple, qui est aussi très critiquable sur plein de points, parce que souvent c'est biaisé aussi dans ses conclusions. Et il a un tel lyrisme, il parle tellement bien. J'adore écouter Guimard, hein, parce qu'il est vraiment très très bon. Moi aussi, j'ai ces bouquins là. Je l'avais très peu écouté, mais je les lis dans la bibliothèque. Et vraiment, il nous fait aimer Robespierre, adorer Robespierre, même si on est royaliste à la base. Je crois qu'on est converti à. J'exagère un peu. Alors encore une fois, je vais recommander la vidéo d'Istony sur Guimard. Alors tout n'est pas nul chez Guimard, mais voilà. Il faut faire attention avec le lyrisme. Il faut être vraiment assez sobre quand on écrit l'histoire. Un petit peu comme quand on écrit de la philosophie, quelque part, parce qu'il y a des philosophes qui disent que la philosophie n'est pas une discipline littéraire, parce que ce qui compte, c'est la solidité des arguments. Et quand c'est trop bien écrit, on peut convaincre de manière fallacieuse, ce qui est vrai. Et c'est C'est vrai vrai. aussi en histoire, donc on est d'accord. En tout cas, merci pour cette interview. Merci à toi, c'était un plaisir. Ben, moi aussi, c'est un plaisir, le premier invité en sciences humaines et sociales, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Et je pense que c'est important, voilà, de parler d'histoire et de faire parler des chercheurs en histoire, parce qu'on en entend très peu sur les réseaux, des vrais chercheurs. Et c'est toujours. Moi, je veux faire ça aussi sur un science de part, c'est-à-dire inviter des doctorants, des postdocs, discuter de leur sujet, de leur façon de voir la recherche, etc. Donc, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Juste dernière info, mais bon, la vidéo sortira, je pense, peut-être un peu avant, j'espère. Le 21 juillet, j'interviewe, parce qu'on parlait des animalistes tout à l'heure, donc j'interviewe Nicolas Marty sur la philosophie morale, c'est-à-dire la philosophie qui sous-tend le mouvement antispéciste. Bon, après, je ferai une vidéo scientifique pour critiquer ou pas le mouvement, parce que je suis en train de lire Peter Singer, etc. J'ai des dizaines et des dizaines de enfin des, j'ai imprimé plein de trucs, enfin Ah oui, c'est j'ai vraiment travail. tout un tiroir qui est, et encore j'en ai autant au labo, parce que j'utilise mes postes de métier là pour me plonger dans Singer et dans le mouvement antispéciste. Donc voilà, il y aura une interview aussi là-dessus. Comme on en a parlé, voilà, j'en profite pour faire un petit peu de publicité pour cette interview, puisque cette vidéo sortira avant la prochaine, donc sur la philosophie morale qui sous-tend le mouvement antispéciste. Donc ça sera aussi, je pense, intéressant. Oui, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant que je commence à connaître un peu, mais qu'il y a encore 3 semaines, un mois, je ne connaissais absolument pas. Hein. Je m'intéresse depuis quelque temps et c'est très intéressant. Ouais, c'est un sujet intéressant, voilà. C'est un sujet intéressant.
comme je dis, j'ai des critiques scientifiques à faire sur la façon de voir, et puis j'ai des articles scientifiques qui vont contredire un peu ce que disait Singer, etc. Donc, j'ai téléchargé d'ailleurs les cahiers animalistes qui n'existent plus, mais qui ont arrêté en 2019, je crois. Donc, je suis en train aussi de me plonger dans de nombreux articles des cahiers animalistes. Donc, ça va être un gros boulot. Je pense que la vidéo sortira dans quelques mois, enfin, ma critique, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça.